Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de la cuisine père et fils. Bonjour Comi. Bonjour chef, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Exactement, comme d'habitude, hein, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on lance la dernière de la saison, hein, De la saison. puisqu'on n'en fera plus de l'été. Finalement, on reviendra en septembre, normalement, si tout va bien. Oui, Avec en forme. tout bien refait à neuf comme il faut. Avec un nouveau format, tout et tout. Ouais, Il y on a va plein de changer un peu les surprises, on choses. Tout espère, en tous les sera cas. différent, normalement, si tout va bien. On espère, parce que vraiment, il Oui. faut juste espérer, c'est tout ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mon cher Ouh, Tommy? aujourd'hui, on va faire un plat sympa qui est mexicain. Donc, encore une fois, comme tous les plats, hein, c'est à chacun sa façon de le voir, de le préparer, mais la base de toujours du plat est la même. Donc, on va faire des chilaquiles, chef. Exact. Exact. Donc, Le en quoi ça consiste, les chilaquiles? chilaquiles, c'est un plat qui se mange à toute heure, mais généralement et habituellement, ils le mangent le matin au petit déjeuner, les Mexicains. Alors, après, il faut avoir l'estomac costaud parce que il est fait à base d'une sauce de tomates avec des piments et oignons ail, qui est une sauce qui s'est fait cuire dans un premier temps à l'eau et ensuite réduit à la poêle pour rajouter dessus des chips, hein, ou des beignets de maïs que l'on va préparer, qu'on met dedans, qu'on mélange. On ajoute après plein de choses, hein. On peut ajouter ce qu'on veut. Là, nous, ce qu'on va ajouter, c'est un œuf au plat qui va accompagner ce plat-là et du fromage, hein, fromage un peu doux. Là, nous avons choisi la feta pour le faire. Exact. Voilà. Okay. Donc, ça va être bon, Et on espère. avec ça? Et avec ça, nous allons préparer aussi un bon dessert qui vient aussi de là-bas, hein. En tous les cas, ils l'appellent là-bas la torta de cielo. Donc, comme son nom l'indique, c'est un gâteau, une sorte de génoise qui est super sympa, très facile à faire, chef, parce qu'il n'y a que trois ingrédients et en plus il n'y a même pas de farine. Donc pour ceux qui sont allergiques ou intolérants au gluten, tout ça, c'est vraiment le top. Donc vous allez voir, c'est vraiment très très bien comme plat, comme dessert. Il y en a seulement trois? Il y a On est trois, sûr? alors, Parce que parce qu'à chaque fois je me trompe et après moi il commence j'avais. Non, parce que j'avais noté un peu plus moi sur la recette. Donc si c'est pas bon, à faudra me dire. Chef, là vous mettez une colle là. Parce qu'il y avait le sucre glace aussi. Alors, Et les poignées de oui, mais pistolet. ça c'est à la fin, c'est vraiment pour la déco. Ça c'est pour, Ok. mais en fait la composition, la préparation en elle-même, elle ne fait qu'avec trois ingrédients, des œufs, la farine d'amande et le sucre. Ok, Voilà, ça marche. chef. Ouf, Exact, je ouais, me suis écoute, bien sorti quand même pour la question piège ça passe, là. ça passe. Parce que là, on est fin d'année, je passe mon examen. Donc normalement, je devrais monter de grade à la rentrée. Je devrais Ça, être commis premier, hein, on en non? Ou discutera second du de tout chef, ça. peut-être. On ne sait pas. Bonjour, Souris Verte qui est là avec nous. Merci, Ah, bonjour, Souris Verte. Ça fait oui. plaisir. Qu'est-ce qu'on fait? On lance tout de suite Et les ouais, on hostilités attend peut-être un petit peu les amis qui vont Bon, nous rejoindre ou non? Enfin, on parce peut dire que. aussi quand même, on peut parler un Si, peu encore une de. fois, vous voulez faire vos 2 heures top chrono, il faut s'en servir. Oui, chef, vous avez raison. C'est Mais juste vraiment. vous dire qu'il fait moyen, il s'est couvert à Toulouse aujourd'hui, pour ceux qui Ouais, arrivent. ouais. On donne toujours le bulletin météo. Donc, c'est couvert et c'est lourd, je dirais. Il fait lourd un peu. Je pense qu'il y a aussi le coup de la fatigue, mais c'est lourd. Voilà. Mais bon, ça va. Et on respire quand même, hein. On a ouvert les fenêtres pour le laisser aérer un peu. Mais voilà. Donc, nous sommes prêts, chef. Si vous voulez, on peut commencer. Si Bah vous je pense, voulez. hein, parce Hein, que parce moi que. je suis à ça de l'arrêt cardiaque là, donc Ah, d'accord. peut-être Donc, on se va dépêcher comme accélérer ça, on. le processus. C'est ça, Alors, on fait pas ça en live et il n'y a pas de problème quoi. donc, ce que nous allons faire, c'est commencer par la préparation de la torta de cielo, donc la génoise mexicaine, à base d'amandes, à base de sucre et à base d'œufs. Donc, on va démarrer par cette première préparation qui est longue, en fait. La préparation est rapide, mais la cuisson est longue. Elle s'est fait cuire en deux temps. Premier temps à 180 degrés pendant 20 minutes. Et un deuxième temps à 150 degrés pour 20 minutes de plus pour le terminer. Donc, vous voyez, c'est facilement 40 minutes de cuisson, plus la préparation. Donc, si je vais finir dans les temps, comme dit le chef, on va commencer On va se lancer, ouais. pour se manier un peu, Ça hein? marche, ouais. Très bien. Donc, Donc on commence par la torta des ciels, on du coup. commence par la torta de cielo. Parce Le que, chef, yes. il Alors, va encore une fois, afficher. ça ne s'est pas actualisé. Ah, donc. C'est insupportable. Quoi. J'en ai marre. D'accord, donc les recettes sont. Alors, attendez, comment j'avais fait la dernière fois quand ça ne s'était pas actualisé non plus? Comment j'avais fait?
Je Qu'est-ce qui vous manque là? réfléchis C'est un peu. la recette? C'est les recettes, je les avais Ah, mais. mises normalement Ah, que et c'est elles ne vrai. sont pas là. Et ça m'énerve un peu. Moi, j'aime pas quand c'est pas là. Alors, si c'est pas là, on peut la donner. Éventuellement. Donc. Commencez à dicter tout ça, je vais essayer de régler Très bien. ça. Donc, alors, écoutez-moi bien. Pour vous expliquer, pour les ingrédients, c'est très simple. Il nous faut. Et attendez voir, je vais passer peut-être à l'autre écran. Voilà, comme ça, vous le voyez. Donc, il nous faut 5 œufs, d'accord, que nous allons séparer dans deux bols distincts, donc tac et tac, et c'est donc les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre. Ensuite, il nous faudra pour ça, c'est très simple, vous allez voir, 200 g de poudre d'amande. Alors soit vous achetez des amandes entières et vous les passez au robot et vous faites votre poudre d'amande, soit vous les achetez directement. Là, aujourd'hui, je vous avoue que j'ai acheté directement les sachets de poudre d'amande. C'est un côté très pratique et c'est aussi bon, donc il n'y a pas de souci. Voilà, pareil, même quantité, ça, on dirait moins, mais c'est pourtant la même quantité, c'est 200 grammes de sucre, hein, non, classique, pour commencer à préparer ça. Et voilà, mais c'est tout ce qu'il nous faut comme ingrédient. Donc, nous allons commencer, hein, tranquillement, mais sûrement. On va placer, donc, on va séparer le blanc du jaune, hein. Donc, toujours comme ça. Voilà, là, vous me voyez parfaitement, c'est super. Donc, on va séparer les 5 œufs. Voilà, donc on va Bien séparer. joué ça, la technique là. Comment? Bien joué ça, la technique. C'est bien. Ouais, je maîtrise, chef. Voilà, donc les jaunes d'un côté. Attendez, parce que là. Comment ça va se passer? Et les blancs de l'autre côté, chef. Alors, donc j'ai déjà donné les proportions, hein. Je dis que pour 200 grammes de farine, 200 grammes de sucre, 5 œufs, on sépare le jaune du blanc. Voilà, gentiment. Voilà, on casse toujours l'œuf dans un récipient à part de ce où on va faire la préparation. Ça, c'est le chef qui me l'a dit la dernière fois. Donc, j'ai retenu la leçon. J'ai jamais dit ça moi. Si, tout est. Bah oui, mais vous vous Non, souvenez moi je dis pas. qu'il faut les casser sur la table moi. Ah oui. Bon, moi, je les casse au bord d'un récipient beaucoup plus fin. Juste pour trancher l'œuf. Vous voyez, là, on tranche l'œuf. Et voilà. Donc, là, je suis à mon quatrième et avant-dernier œuf. Et c'est bien, bien. Ah oui, il y en a un qui s'est cassé là, des jaunes. C'est pour ça que je disais, il n'y en a que Ah trois en oui. fait. Non, c'est vrai. Il y en a bien quatre. Et voilà le cinquième, donc c'est terminé. Voilà, vous avez vu, trois. Allez, 1 minute pour faire cette manœuvre. Je vais de ce pas me laver les mains afin de ne pas. Voilà, Alors du c'est coup, est-ce que fait. si j'affiche là? Ok, là vous avez la recette des tortes. Bon, du coup j'ai Voilà, donc. ajouté trop de trucs invisiblement parce qu'il dit qu'il n'y en avait que Voilà. 3 ingrédients. Donc voilà, les autres, il y a plein de trucs, c'est juste pour la déco, hein, donc on faudra pas faire gaffe. D'accord, Donc voilà, donc. du coup, ouais, 200 grammes de sucre, 5 œufs, 200 grammes de poudre d'amande, Ouais. et une cuillère à café d'extrait de vanille du coup. Qui peut. Magnifique ça, maintenant Rémi. Ça va ou quoi Rémi? Tranquille? Bonjour Rémi. Ça fait plaisir. Merci de l'état, Alors, mec. très fait. Nous allons commencer donc par monter les jaunes. On va les fouetter. Une fouette. Voilà, fouette, fouette. Et on peut brancher ça où déjà? Ah oui, là-bas, s'il vous plaît. Allez. Bon, ça Voilà. marchera quand même. Comment? Ouais, donc tranquille. Ça va aller, ça va aller. Voilà, donc aujourd'hui, le chef, il va s'occuper de la technique et faire des commentaires. Mais Et non. là, il me met à l'épreuve pour faire donc préparer. Raptor qui nous envoie 150 bits. Ah, bonjour Raptor. Merci mec, ça va Raptor, ou quoi? content, content que tu sois là. Vraiment. Donc, pour la J'y vais tarte là, à essayer, je bats alors tout ça vous là. allez fouetter, donc battre et évidemment les jaunes, chef. Ouais, je les expose. Allez-y, vous commencez à exploser ça. Là, il faut fouetter, hein. Comment ça va, Raptor, tranquille? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici. Ouais. Voilà, dans mon lit encore. Ah, quelle chance. Donc J'arrive là, bien on d'être va. dans mon lit aussi. Ah oui. Ça va, chef? Ça va. Bon, très bien. Donc là, nous sommes en train de battre, de fouetter les jaunes dans un premier temps. Voilà, il faut bien, bien les mélanger. Et nous allons rajouter donc avec 200 grammes de sucre en deux fois. D'accord? Et c'est le principe du gâteau. Ne me dites pas pourquoi, ne me demandez pas, vous demandez quand même. J'ai la réponse déjà. Hein. Je sais pas. Ah ouais. Bon, on va faire moitié-moitié alors. Hein? On Vous va lancer. confirmez, chef? Vous ne pensez Ouais, je pas pourquoi? confirme. On va faire que D'accord, donc comme ça bien a été dit de fouetter, faire. hein, il faut fouetter pendant 5 minutes, voilà.
Voilà. Allons-y gaiement, chef. Voilà une première partie. Et on. Ça va aller? Ouais. Ça va aller, chef. Alors, ouais, c'était la merde avec le boulot sur. Ah non, t'inquiète, hein, je comprends, le travail, c'est souvent la galère. Hein. On n'a pas demandé si techniquement tout le monde nous entendait bien, s'il n'y avait pas de soucis au niveau de la voix, tout ça, du son. Moi, je pense que ça devrait. Donc, allez-y. Hein, pour que ça s'incorpore mieux. Exprimez-vous. Ah oui, oui, c'est sûrement pour que ça s'incorpore mieux, ouais, le sucre en deux fois. Pourquoi c'est? Ça s'incorpore mieux, peut-être. Ah oui, exactement. C'est une remarque de. De Raptor. De Raptor, ouais. Très bien. Assez pertinent, comme d'habitude, le Raptor. Moi j'aime ces genres de réflexion, d'observation, parce que ça permet de faire avancer le chimique, hein chef. Faire avancer les choses, ouais, ou pas. Ah c'est joli là, regardez la texture que ça donne, voilà, donc on va rajouter en deuxième partie donc le reste du sucre, chef, si vous en convenez. Ouais, voilà, hop, ça on va réserver immédiatement au lave-vaisselle, ça comme ça on fait pas de vent, tout va bien. Voilà chef. Plaisir, hein. Trop fort, magnifique, magnifique. Vous avez vu la couleur, comment ça donne le rendu? Voilà, donc là il faut le fouetter tranquillement, que ce soit bien joli. C'est vraiment un gâteau extraordinaire. J'espère qu'on va le réussir, comme tous les gâteaux qu'on réussit pas chez nous. Mais celui-là, on va le réussir, hein, chef, parce que ouais, hein. C'est une première. On fait un gâteau sans farine, faut le faire quand même. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa. Je veux dire, pour les gens qui sont allergiques au gluten, tout ça, c'est parfait, c'est génial. Ils peuvent manger, se régaler et en plus. Hein? Exactement. J'ai jamais goûté ce gâteau de ma vie, par contre, moi, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais... Et est-ce que Raptor, tu pourrais éventuellement m'envoyer quelques gorges, s'il te plaît? Enfin, je vous remplace si on va là? Oui, bah, c'est... Quand il les aura donnés, s'il les donne. Ah, c'est fait. Plaisir. Je prends la main, chef, comme on dit. Hein. Merci bien, Raptor. Je reprends la main? Non, je prends la main. Voilà, là. Donc, pendant. Là, c'est très clairement, il faut pas hésiter, hein, là, voilà. Donc là, on va atteindre peut-être 5 ou 6 minutes, hein. Ils disent 7 minutes, hein, de... Ah oui, voilà. Oui, parce que, ouais, parce qu'il faut rendre vraiment une sorte de pâte. Hein. Okay. Comme il n'y a pas de farine, il faut la rendre un peu épaisse, justement. Et c'est impressionnant, la façon dont ça se transforme. Et regardez, c'est une texture assez particulière, j'avoue. Bon voilà, donc là je pense qu'on est... Je reprends le... Vous reprenez la main, chef? Ouais, histoire de faire croire que je fais quelque chose, quoi. Mais oui, chef, vous êtes super. Ah, j'ai oublié de prendre le fouet. Et le fouet là, la spatule, chef. Ah oui. La pâte frite. On dirait une mascarpone un peu. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu à la mascarpone. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu ça, c'est exactement la même texture. C'est un peu le principe, ouais, dans le niveau de la texture et tout. Qui c'est qui nous dit ça? Même la couleur, bah Raptor toujours. Ah, ouais. Raptor, mais excellent Raptor, c'est un bon pâtissier. Voilà. Voilà, je pense que là on est plutôt pas mal, je dirais. On est à 7 minutes là? Voilà. Oh non, oui, peut-être une minute de plus, allez, pour être. Là, vous sentez que ça devient liquide ou pas? Alors, bah ça dépend des endroits, c'est bizarre. Ouais, voilà. Il faut que ce soit liquide? Non, il faut que ce soit comme ça. Voilà. Là, elle est ferme, là. Donc, on va arrêter là. C'est bon, là, chef. Et vous passez directement sans, voilà, enlever l'excédent. Enlever l'excédent. Parfait, excellent. Là, vous mettez maintenant direct. C'est pas la peine de laver, hein. Ouais, on verse ça voilà. dans les blancs. Non, vous commencez à monter le blanc en neige. Avec ça, ouais. Ah, là même, pareil. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Ça part, hein. On monte au blanc en neige, hein. Donc, n'oubliez pas toujours un petit peu de sel. Tu veux l'avez mis dedans? Ça y est, chef. Très bien, ça combine. On marque deux points là. Oui, chef. C'est important parce que pour ma carrière à venir, parce que j'espère avoir une longue carrière devant moi, hein, chef. Ouais, fou, hein. Comme vous, quoi. Arriver à ce niveau-là, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Ça, c'est. Voilà, chef, donc vous êtes en train de faire encore une fois avec dextérité. Le blanc en neige, vous le montez. Toujours à la base. C'est cher blanc en neige. Ah, une gorge pour le commis. Ah, merci beaucoup. De la part de ce cher Rémi. Ça va Rémi ou quoi? Tranquille. Comment se passe la nuit, mec? T'es content pour le stade? J'imagine que oui, mais... En plus, t'es sur place. Thank you.
Là, au niveau du bruit, c'est pas trop trop fort. C'est bien, chef, là, ça continue comme ça. Excusez-moi. Pas que j'accroche le micro derrière, parce Eh oui, que non. là, le chef, il va pas être content. Ah non, c'est Je clair. regarde la recette un peu, les commentaires, hein. Ça va très bien, vous? Bah, ça va, merci. Comment ça va, demande Rémi? Ça va très très bien, merci beaucoup. J'espère que toi aussi ça va. En tous les cas, ça va toujours quand on est avec vous, hein, ce matin, chef. Ça va aussi dans la semaine, parce qu'on passe à vous, vous dites, hein, qu'est-ce qu'on peut leur proposer de bon pour leur faire plaisir, hein, pour qu'ils soient contents. Nous, ça nous fait plaisir en tous les cas, hein, chef. Attends, j'ai été bu. J'ai vu, chef, oui, bien sûr. C'est ça. On est au top. Mais voilà, c'est top là, hein. Non? Encore un peu plus Encore un peu, je pense. peut-être. Ouais. On vient la monter là comme ça. Bon, maintenant, on va passer à l'autre étape, et presque dernière étape, c'est on va verser la poudre lavande au fur et à mesure dans Voilà. Voilà, ça se voit là, c'est très bien. Donc, je vais verser la préparation que le chef a fait auparavant, hein, donc fouetter le jaune d'œuf avec le sucre. On va verser donc la poudre d'amande que vous voyez là. Pareil, hein, et voilà, on va le faire en deux fois ou à trois fois, gentiment. Une première fois, voilà comme ça. Et pensez à une chose, c'est qu'on va le mélanger comme si c'était une mousse au chocolat. Hein. Donc en fait, on va faire un mélange en tournant. Voilà, la chef. On mélange. C'est pas mal, ça, chef. Hein, c'est parfait. Je pense qu'on est bon. Hein. Ah ouais, c'est très, est-ce que très ça, bien. Est-ce que ça, ouais, ça voilà, c'est bien. Un ça peu. tient. On va ça pas tient. Essayer de faire à l'envers, mais non, non, c'est parfait. Mais là. Ça a l'air bien. Voilà. Donc là, maintenant, c'est les blancs, parfait. Les blancs Montrez, là. neige, Voilà. voilà. C'est magnifique. Une Hein, ringue, ça fait magnifique. plaisir. Hein. Enlevez Ouais, les fouettes. les fouettes. Hein, vous mettez derrière et puis voilà. La poubelle, bon ici. C'est pareil. Hein, Ouais. on va laver. Ouais. Oui. Oh, c'est chaud. Hein. Voilà, donc maintenant, je m'attache à moins que vous vouliez le faire, chef, De... ou vous faites des commentaires, en attendant, vous Non, non, répondez. non, bah, écoutez, non, de toute façon, là, il n'y a personne qui parle pour le Il n'y a moment. personne qui parle, ils sont tous Non. concentrés, c'est normal. C'est un gâteau tellement bon et simple, regardez. Donc là, vous voyez, on commence à faire Ouvre la caméra. un mélange magnifique, ouais. Voilà, vous voyez, gentiment, on verse donc, en trois fois on a dit, hein, donc là, c'est la deuxième fois, chef, voilà. Et pareil, hein, même principe, hein. Comme ça, toujours en tournant. Voilà. Vous voyez, ça m'a l'air sympa, ça. Et là, vous voyez, ça fait en fait une pâte. Hein. Donc, en fait, la poudre d'amande, ça remplace d'une certaine façon, à mieux, je dis, la farine. À mieux, hein, chef. Ouais, oui, bah, c'est vrai que c'est ça a plus de goût, quoi. Oui, voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, rapidement, c'est 200 grammes de poudre d'amande pour 200 grammes de sucre pour 5 œufs. Séparation de l'œuf, donc entre le jaune et le blanc, monter le blanc en neige et fouetter le jaune de l'autre côté avec le sucre pour lui donner donc une consistance Alors, pâteuse. Voilà. incorporer les blancs toujours de la sorte Exactement. pour s'en les mélanger, pour en garder les bulles d'air intactes et ainsi créer une texture aérée. C'est exactement ça. On va faire le même principe donc une mousse au chocolat pour que ça ne tombe pas. Comme il a dit. Voilà. Qui c'est qui l'a dit ça? Raptor. Ah, mais il est fort. Il faudrait qu'on l'invite un jour à Raptor, je sais pas où il habite. Oh, ah, tu sais, il habite Non? à Pau quand même. Ah, Pau, ah. C'est pas desservi, donc c'est compliqué C'est pas desservi. ouais, c'est un peu compliqué pour lui de venir. Bon, enfin, en tout cas, ils ont internet. Hein. Il n'y a même pas d'autoroute. Ah. Ouais, non, c'est compliqué, c'est un C'est peu. compliqué. On Ouais. pourra aller faire l'émission chez Raptor un jour, peut-être. Oh. Non plus? Oh. Non, ils seraient pas d'accord, Raptor, non? Je sais pas s'ils ont une cuisine qui est adaptée pour faire de la cuisine bien comme il faut, quoi. Ah. Je pense Bon, pas voilà. que ce soit aussi grand que ce qu'on a là, quoi. Mais enfin, bon, un peu un Quoi, des comment ça, il principes n'y a pas aussi. d'autoroute? Mais c'est juste pour la blague. Hein. Alors, ah, il a pris un vrai. Je pense. Voilà, donc maintenant nous allons passer. Regardez, le blanc en neige, on va l'incorporer. Même principe, hein. Tranquillement. Voilà. Il est Voilà. assez monté le. Oui, ça va. Ah non, par contre, la cuisine, c'est de la merde, tu vois. Oui, voilà, mais je me dis bien que. Enfin, je pense c'est sûr, de toute façon, s'il est en appartement, il doit pas être. Ah, ouais. Ça doit pas être une grande cuisine comme nous ici. Hein. Bon, après, un des principes de chez le cuistot, c'est qu'il est capable, il doit être capable de travailler dans un mètre Ouais, mais carré, le quoi. problème, c'est pas de faire la cuisine, c'est de pouvoir le streamer. Ah, Oui, oui, ça c'est c'est. ça le souci.
de Tout à fait. la cuisine. Parce Et qu'après, oui. oui, faire à manger, on peut faire n'importe quoi. Absolument, ouais. Ah ouais, ça c'est clair que là. Bon, enfin voilà, l'intention était bonne, hein, bien sûr. On serait ravis. Ouais. Parce que là, s'il est capable de nous faire des bons gâteaux, Raptor, c'est avec plaisir. Hein. Alors si lui, il a des recettes, pas trop compliquées quand même. Hein, parce que là, il faut qu'on fasse. Là, c'est à chaque fois le défi, le challenge, c'est de voilà, d'essayer de faire des trucs sympas, simples, bons, et voilà. Parce que sinon, après, le challenge aussi, c'est que c'est comme c'est dans le live. Si le live va mal, merci pour la recette. Voilà, donc deuxième fois. Donc voilà, ça donne, ça aère un peu le mélange hein, de la pâte, hein, et en même temps, ça le, voilà, ça l'humidifie un peu, hein, parce qu'il était sec avec la poudre d'amande. Donc là, avec ça. Ça lui donne une texture plus sympa. Et en fait, le rendu, c'est un peu comme une génoise. Hein. Ça reste un peu le même principe aussi. Sauf que la génoise, évidemment, elle a de la farine. Hein. Ben ouais, hein. Voilà, chef, qu'est-ce que Après, vous est-ce que êtes? ça ressemble vraiment à ça, quoi? Ça ressemble vraiment à quoi? Ah bah, genre à ça, quoi. À la génoise? Ouais. Oui, le principe. La base, oui, la préparation, un peu, oui. Parce que Voilà. je cuisine jamais, je retiens juste tous les vrais trucs et astuces de cuisine. Ouais, Ah. c'est ce que je me disais. C'est ce que j'allais dire au début, je crois qu'il est pas très cuisine. Mais Ah. Mais comment il fait pour voilà, manger alors? il écoute, quoi. Ah, mais c'est Je bien. pense. Ça, il écoute les trucs, Parce que s'il et puis écoute, il a bonne il apprend mémoire. ça, quoi. Et voilà, s'il a bonne mémoire, il écoute. Après, il peut dire à la personne avec qui il habite, s'il est avec quelqu'un, de lui faire. Hein, il a besoin de la recette et puis il lui dit comment il faut faire. Oui, éventuellement. Hein. Éventuellement, puis voilà. Comme ça, tout le monde est content. Il y en a un qui prépare, l'autre qui dit. Je mange mes doigts. Voilà. C'est-à-dire que s'il est laissé à lui-même vraiment et qu'il a plus d'argent pour commander sur Uber Eats, Ouais. il mange ses doigts, quoi. Ah. C'est ce niveau-là de cuisine, quoi. Ah oui, effectivement, ouais. Non, je suis sûr qu'il fait de très bonnes pâtes, Oh oui. Raptor. En tous les cas, voilà. Est-ce qu'on a vu d'autres amis là qui arrivent, non? Eh bien, là tout de suite, non. Bon, on Non, s'est sinon réveillé tranquillement, hein. j'aurais prévenu, mais là. Oui, mais l'avantage c'est que le dimanche, on se lève quand on veut, on allume son ordi quand on entend, puis c'est tout, hein, tranquillement. Oui, je sens On que est les là, nous, on jeunes, est là faut pendant s'activer. 2 heures. Donc en 2 heures, hein, ils auront le temps de venir nous voir. Hein. Oh, oui. Après, on sait toujours qu'il y a Merci. la rediff, hein, pour ceux qui ont raté des trucs, donc ils peuvent très bien hein, Du coup, ils continuer. n'entendront pas ce message, mais. Ah, et oui, Parce qu'ils sont pas là, du et coup. oui. Donc, du coup. Voilà. Éventuellement, Pour ils le ceux qui verront. dorment tout à l'heure, quand vous allez regarder la rediff, voilà, on a dit que voilà, il y a la rediff. Par Et tant contre, mieux. je suis professionnel du burger maison. Ah, Mec, et oui. je peux te dire que. Là, il y en a des professionnels. Là, c'est le chef. Hein. Là, pour la peine, c'est le chef-chef. Hein. Burger maison, je fais les trucs bien, bien sales. Hein, Voilà. vraiment. Avec, Ça, on me fait fabrique plaisir. les Ça fait bien steaks ici plaisir. nous-mêmes. Hein, entre 150 à 200 grammes le steak, c'est pas plus. Ouais, de tout pour Non. le. Ouais, 800 grammes, hein, parfois. Hein. 800 grammes, hein, steak, là, pour faire des burgers comme il faut. Non, bah non, les burgers maison, c'est. Vas-y, t'inquiète, on fera une battle un jour. Ouais, je suis chaud, hein. Je suis chaud, petite Voilà. battle de burgers, là, burger maison. Alors, il y a, on dit qu'il y a un extrait de vanille, je ne sais pas si on l'a mis dans la recette. Je l'ai marqué, ouais. Voilà, c'est facultatif, hein, on n'est pas obligé de le mettre. Moi, je vais le mettre quand même, Oui, parce que c'est je bien la trouve que vanille c'est quand même. sympa. Bah, c'est plutôt bon la vanille quand même. Ouais. Donc, l'extrait de vanille liquide. Hein. Voilà, chef, vous voyez, ça fait une sorte de mousse, mais pas au chocolat, mais bon, même principe, vous voyez. Donc là, Suis c'est un peu déçu mélangé. du coup. C'est magnifique. Hein? J'aurais préféré au chocolat quand même, j'avoue. Ah oui, chocolat blanc? Ouais, non, chocolat au lait. Chocolat au lait. Ouais, chocolat au lait, ouais. Allez, donc Stré Vanille, une petite cuillère, hein, donc voilà, on a le fond, c'est Ouais, parfait. ça fait plaisir. Histoire de voilà, que ça fasse plaisir, ça parfume. Voilà, donc l'extrait de vanille, c'est fait. Et voilà, je pense on va commencer à préchauffer le four à 180, chef. Maintenant Air là? tournant, oui, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Voilà, comme ça. Alors, je crois qu'il y a une blague de Raptor dans le chat. Je vous laisse la lire pour voir si vous comprenez Alors, par contre, la je vais blague. disparaître du cadre. Enfin, de toute Mais façon, non! Je viens Checkez-moi d'arriver au ça, panier. La Checkez-moi rafale! ça, la rafale, il y a eu un abonnement là. Qu'est-ce qui a marqué sur l'écran, Comi? Ah, Flash, Mais Toad, non, non? Fla qui revient et qui se Waouh! réabonne, incroyable. Est-ce que Air Tournant, c'est lequel? Ça fait plaisir. Air tournant, c'est tout un air tournant qui tourne. J'ai mis le premier Un truc, je sais pas si papillon. c'est ça, je pense que c'est ça, mais. Mais Eh quel ben, plaisir, exact, là. Fla, Ça a fiché quel 200 plaisir. quand vous Ça fait l'avez plaisir la mis. dernière. Ah, merci, ça fait plaisir. Comme on dit ici chez nous. Fla, on est content de te revoir. Eh oui, quel bonheur. On peut réutiliser les emotes, ça, c'est incroyable ça. Ça fait plaisir. Ça fait bien, bien plaisir ça. Ouais.
Et du coup, ouais, donc du coup, vous aviez lu la blague? Non, vous me la lisez, s'il vous plaît? Ah non, il faut que vous la lisez vous pour voir Bon, si. elle est où là? Quelle est Elle où est là? juste là. Alors, il y a marqué du chocolat au lait. Bien. C'est Raptor, ça? Ouais, vous l'avez? Ou vous l'avez pas du tout? Vous pouvez dire que vous l'avez pas parce que c'est un petit peu technique, on va dire. Chocolat au LED? Ouais. Non? Au LED, c'est le LED, la Ouais. lampe, non? Non, c'est un truc d'écran. LED, hein, les écrans LED. Ouais, les Ah voix, oui. enfin, écran OLED du coup, mais oui. Ah d'accord. Et voilà, mais c'est une Bon. petite blague pour le jeu de mots avec chocolat au lait, Bon, quoi, je pense aussi. que Raptor, il est trop subtil parfois. C'est ça. Ouais, non, Bon. après, c'est normal de pas l'avoir forcément, celle-là. On est parfois dépassé. Voilà, donc vous avez un joli J'ai raté le mélange. début, alors il fallait sabots. Oh, c'était pas obligé, et puis c'est pas très grave que tu rates le début, t'as toujours été là. Toujours le premier, c'est On vrai. peut Ouais. excuser une fois Voilà. un petit retard. C'est rien. Voilà. C'est rien. On laisse Mais passer. t'inquiète pas, T'auras même pas un mot dans le carnet, tu vois. nous on est ouais, exactement. Et nous on est un peu comme les, hein, comment ça s'appelle? Il y a un personnage du Pokémon d'ailleurs, c'est soporifique. Voilà, c'est ça. Hein, donc on a moitié endormi. Ouais, de toute façon là. Non, moi ça va, je suis Non, pas ça va? endormi. J'ai Oh, le cœur ça qui y bat est. fort là, donc. Les enfants À ce et les amis, moment-là. pardon, chef, excusez-moi. Voilà, donc il vous faut un petit moule sympa. Alors entre 22 à, pour la quantité qu'on a fait, entre 22 et 24 cm de diamètre. Là, comme ça. Voilà. Donc un moule comme ça, là, c'est bien ce genre de moule parce que ça vous permet après de le décoller. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un fond de papier de cuisine pour que ça colle pas. Et là, je vais passer avec mon pinceau. Ici, là, je vais passer avec mon pinceau donc de l'huile et un petit peu de farine, hein, pour le même principe, pour que ça ne s'accroche pas. Donc voilà, ça, on l'avait Et ça prévu, se passe hein. bien, ouais, ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Là, disons qu'on est en gérance, en petite gérance, comme on dit chez nous. On est en petite gérance. Voilà, donc vous voyez, hein, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais là. Voilà, donc là, j'ai passé un petit peu d'huile. Il y en a qui mettent du beurre, hein. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau de la. Et après, il faut passer. Alors voilà, ça, c'est le truc un peu plus compliqué. Hein. Donc je vais faire comme ça, je suis gaucher. Ça Hein. va aller. Ah, vous voulez que je le fasse? Donc, je vais taper un petit peu de farine. Voilà. Et donc, hein, on va le tourner. Attention que le plus sulfurisé tombe pas. Montre à la caméra comment c'est joli. Voilà. Voilà. Ça va, tu as passé une bonne nuit, Fla? Tout s'est bien passé? Voilà. C'était pas très dans la règle de l'art comme je l'ai fait, mais voilà. Le principal, c'est que ça soit fait. Donc voilà. Les bords sont farinés, chef, comme on l'avait dit. J'enlève l'excédent, hein. C'est pas la Yes, peine de le garder. toujours. Voilà. C'est fait, donc c'est fariné. Le fond, donc c'est pas fariné parce qu'on a mis le papier sulfurisé. Hein. Exact. Et maintenant, chef, on peut verser gentiment donc la préparation dans ce moule-là. Voilà. Regardez le faire, attendez. Vous voulez le Peut-être faire, mettre. chef? Non, surtout vous mettre à la caméra, mais Ah ouais. je vous en prie, Mais allez-y. c'est vous la technique, chef. Hein. Vous Comment? savez que c'est vous la technique, je sais pas. Ah oui, mais bien sûr, non, mais. Il y a Ah. l'écran, le retour pour vous indiquer. D'accord. Donc, vous pouvez voir. Merci. Voilà, Bon, donc. courte mais bonne, la tienne aussi je crois. Ouais, non, ça c'était une nuit de 2 heures à peu près. À peu près. Petite nuit, chef. Oh, ça va, on s'y fait. Oui, mais ça, On s'y c'est. fait grâce au pouvoir des boissons énergisantes. Oui, et puis surtout grâce au pouvoir aussi de la jeunesse, parce que quand on est jeune, on peut. Hein. Ouais, il y a des jours quand même c'est Oui. plus compliqué que d'autres. Hein. Moi, je passe une nuit comme ça, je me lève pas le matin. Bon, si ça se passe, vous êtes fort quand même. Oui, mais parce que c'est une nature, mais. Moi j'ai confiance en vous. Oui, moi aussi, chef. Et vous. C'est gentil de me le dire, ça, que vous avez confiance en Oui, moi. Raptor, c'est. Oui, c'est. Alors, ouais. Petite remarque pertinente de Raptor. Oui. Qui dit. Vous faites un gâteau sans farine et vous mettez de la farine dans le moule. Non, on ne met pas de la farine, on farine le moule. Mais la composition même du gâteau est sans farine. Enfin, les ingrédients, c'est marqué sans farine. Après, évidemment, sinon, on peut le faire sans farine, mais on va peut-être à la catastrophe. Mais c'est vraiment un petit détail, ça, Raptor. Hein. Franchement, Ouais, mais enfin, comme alors pour les vous, pour les allergiques gens au qui mangent, gluten, qui on peut consomment, mettre ouais. une farine sans gluten. Hein. Voilà, si c'est pour fariner le moule, on peut le faire comme ça. Après, on peut simplement beurrer le moule sans forcément mettre la farine. Voilà.
Mais moi, je suis bête et méchant, je suis la recette telle qu'on me l'a indiquée. Après, évidemment, il y a des astuces, hein, mais merci encore une fois, Raptor, pour la remarque, je dirais même pertinente, chef. Voilà, c'était pertinent, ouais, Ouais, je c'était pense. pertinent, hein? On va le dire. Ça arrive Parce parfois, ouais. qu'on a quand même plaisir à voir Raptor ici, donc. Hein? Oui, bien sûr, non, toujours, toujours. Voilà, donc je vous montre ça, comme voilà, l'image l'indique, hein, le montre. Donc là, le gâteau donc, est posé sur son moule, légèrement fariné. Donc attention aux allergiques, hein, aux intolérants de tout genre. Il faut à ce moment-là mettre soit juste du beurre, soit de la farine sans gluten, et puis voilà, la faire réjouer, hein, chef. Ouais, bah oui, bien On sûr, peut le dire on comme sait ça? qu'on en est bien, on est bien. Voilà, on est bien, on est bien. Là, donc on a fini avec ces bols-là, Le hein. four n'est pas encore préchauffé, mais on va attendre Comment un il petit dit? peu. Comment? Vous dites? Hein? Que le four n'était pas encore préchauffé. Oui, mais voilà, bon, ça va aller, ça va On va venir. attendre un petit Bon, peu avant d'y aller. en attendant que ça préchauffe, chef, on peut passer à l'étape suivante, hein, Qui est? qui est donc de préparer les Les chilaquiles. chilaquiles? Yes. Avec plaisir. Alors. Avec grand plaisirage. Alors, est-ce que ça fonctionne? Les chilaquiles. Là, vous avez la recette qui s'affiche juste là-haut. Les chilaquiles, donc pour ça vous aurez besoin d'un oignon, d'un avocat, de 5 tomates longues, une gousse d'ail, 5 piments secs, je crois on a mis 5, ça me paraît 3, 5, je sais pas ce que j'ai mis. Peut-être un 3, hein. 3 plus bref, ça va faire beaucoup sinon. Des tortillas de maïs, de la crème fraîche épaisse, de la feta, de l'huile et du sel. Voilà, je vais les afficher un petit peu si vous en avez besoin. Voilà, chef. En même temps, je m'avance un peu pour être Si tranquille ou quelqu'un veut quoi, vous envoyer voyez? quelques gorges, grand plaisir. Alors. Donc voilà. Ah, mais voilà, c'est bientôt prêt là, parce qu'on dit il y a 180, mais comme là, je l'avais programmé à 200, Aïe, aïe, forcément. aïe. Mais là, on va voir tout de suite à 180. Ah, Voilà, c'est donc bien pour la gorge incessamment, ouverte. chef, incessamment, on va pouvoir. Donc, il faut compter, hein, 20 minutes à 180, chef, hein, c'est important. 20 minutes à 180, la cuisson, elle se fait en deux fois. Bip bip, ça a bipé. Allez-y, chef, hein, vous avez voilà, l'honneur d'introduire donc ce gâteau qui s'appelle Torta de Cielo, hein, un gâteau du ciel. Je pense que c'est parce que c'est côté léger et enneigé, hein, qu'on va lui donner, Alors là, peut-être. Hein. Alors là, on ne sûrement. sait pas, mais bon, alors, s'il y en a qui ont l'internet, ils peuvent aller chercher pourquoi ça s'appelle comme ça. Et Ça une gorge pourrait pour nous le commis aider surtout. pour agrémenter le. Hein. Une gorge pour le commis surtout. Ah, merci, c'est vrai que je parle beaucoup là aujourd'hui, ce matin. C'est peut-être pour la gorge sèche. En effet. Donc on disait, on a lancé, donc le chef a programmé systématiquement 20 minutes de cuisson à 180 et dans un deuxième temps 20 minutes de plus à 150 degrés. Et la meilleure façon de vérifier s'il est cuit, c'est passer un petit bâton et s'il est sec, c'est que c'est cuit. D'accord? Ça doit être ça, hein. Ça doit être ça. Donc maintenant, chef, nous allons passer à la préparation donc de notre... De notre chilaquiles, Les chiles cassis. qui est comme je le disais tout à l'heure en ouverture d'émission de programme au début, c'est un plat qui se mange chaud pour la peine et qui est un plat typique. Il y a différents types de préparations. Là, c'est un peu la préparation de la région de Yucatan. Et c'est un plat qui se mange souvent, la plupart du temps, au petit déjeuner. Mais ça, il faut dire qu'il ne faut pas essayer comme ça au petit déjeuner, ou alors si on a un ventre quand même assez costaud, chose que les Mexicains ont généralement, ils sont habitués, hein, parce que c'est quand même relevé, hein, c'est connu en Mexique. Hein. Ouais. Donc voilà. Alors on va préparer ça. Alors Ça risque de brûler sec. on va découper l'oignon. Pour une fois, chef, on ne va pas lâcher l'oignon, hein, donc déjà vous n'allez pas pleurer. C'est vrai, l'oignon, putain, j'ai oublié ce truc. Hein, parce que le chef, vous savez qu'il est extrêmement sensible à l'oignon. L'oignon existe, moi, plus jamais. Voilà. Donc, vous avez l'oignon là. Il est magnifique. Hein, il est beau. Il est Très très blanc. beau. Hein? C'est très très joli. Ensuite, voilà. Tout ça. Alors, si vous permettez, chef, vous me déplacez en attendant la poêle. Vous mettez l'eau dans l'autre. Il commence à chauffer l'eau. Ouais. Hein, et après, on ira voir là-bas. Allons-y, allons-y. Alors de la casserole ou la poêle? La casserole, Les vous ouais. enlevez la poêle de là, voilà, et vous placez la casserole à la place. Donc en fait, on a préparé l'oignon. Donc il faut, pour ça, on avait dit 5 tomates allongées, à manger prendre parce que c'est plus sympa. Hein. Les 5 tomates allongées, voici les tomates allongées, donc qui ont été prélavées. Hein. Donc voilà.
Donc on enlève ça nous sert à rien, hein, ces trucs-là. Voilà. Alors, j'ai vu une astuce sur internet, faudrait voir si elle est vraie ou pas. Par rapport Sur... aux oignons Ah ou oui. par rapport à d'autres choses? Intéressant ça. Donc voilà, vous allez voir, c'est relativement simple, c'est pas compliqué. Donc voilà, c'est un demi-oignon, on a mis un oignon, hein, donc on va le couper en deux. Est-ce qu'il faut pas couper le cul de l'oignon? Ah ouais? Alors là, mec. Ce que je sais en matière de cuisine, c'est que plus le couteau est affûté, bien affûté, mieux c'est. Parce qu'en fait, en tranchant, il y a moins d'éclaboussures, vous savez, les particules là, qui font pleurer hein, les yeux. Et, hein, beaucoup. Donc plus il est affûté, le couteau, mieux c'est hein, quand on prépare ça. Donc voilà. Ce que je sais aussi, c'est que souvent, quand on coupe des oignons, des tomates, par exemple, avec un couteau, ça part un peu, ça perd de son affûtage. Voilà, donc les tomates, regardez, c'est pas compliqué, on coupe en deux. Hop. Plaisir. On coupe en deux sans se couper les doigts. Non, c'est mieux, hein. D'où l'intérêt. Voilà. Après, si on se coupe les doigts, ça ne se verra pas dans la tomate, hein, si la tomate est rouge. Voilà, donc découpage des tomates. Et voici, donc alors, les chilaquiles, c'est la racine de chilaquiles, c'est le chili. Le chili, c'est en fait, à part d'être le plus beau pays quand même de l'Amérique du Sud, Lequel? le Chili, Chili. Le Chili, en espagnol, le Chili, c'est aussi, si c'est le plus beau pays, C'est si, certitude, surtout sûre, quand on le met à certitude. côté de l'Argentine, il est magnifique. Donc, et alors, le chilaquiles, donc ce On sont des ira. chiles, les chiles, donc ce sont les piments Bande de hein, listes, au Mexique. arrêtez-le. Et il y a de toutes sortes de piments, hein, les plus connus, c'est les jalapeños. Comme piment, hein, les plus Exact. connus dans le monde. Après, Très il y en a très bon plein, une ça. variété immense, des petits, des grands, tout ça. Il y a même des piments. Ils disent, même les Mexicains, pour vous dire, quand ils parlent que c'est piquant, ils disent, il y en a qui rajoutent des piments de l'arbre. Hein, et ceux-là, ils sont réellement piquants, ils disent. Hein, c'est à ce point. Hein. Donc, nous n'avions pas des chilaquiles, ça, et comme nous sommes bien sûr dans une dynamique d'honnêteté avec nos amis qui nous regardent fidèlement tous les dimanches, me suis permis de prendre des piments d'Espelette basque hein, que j'ai évidemment hein, que j'avais fait sécher et donc qui vont faire l'affaire hein, sachant que nous si, même si nous faisons un plat mexicain il faut pas être non plus hein, on peut quand même l'adapter au niveau du goût À parce qu'à éviter de mon avis sinon mourir, on va peut-être. partir en live hein, au niveau de la si on n'a pas l'habitude donc piment Sacré. d'Espelette l'avantage c'est que ça pique un peu mais surtout ça parfume et ça c'est la particularité du piment d'Espelette donc il est séché alors pas de soucis ce piment là il part directement. Comme ça, on va juste l'ouvrir un peu, mais pas directement aussi à la préparation. Donc, vous voyez déjà, nous avons les ingrédients. Il nous manque le dernier petit quelque chose sympa, hein, une petite gousse d'ail. Voilà, vous la voyez là. Pas de... Non, j'ai pas vu, je Ah, pense. si, si. Comme devant la camse. La kems, là, comme ça. Voilà, vous voyez. Si vous ne saviez pas ce que c'est ça, l'ail. Voilà. Donc, nous allons évidemment le peler. Hein. Un petit coup là, comme ça, sur le. Et voilà. Avant, ce serait pour ça que ça fait pleurer, mais j'ai pas d'explication ni déjà tout ça. Voilà, Donc, ok. vous voyez, l'ail, en une seconde, il a été pelé, chef. C'était. Il est un peu. Oui, mais ça, Ouais. vous le préparez, il n'y a pas de Ouais, souci. Hein. Vous ouais, enlevez ouais. les mauvais côtés de la chose. Hein. Ah, ben on va tout jeter du coup. Non. Alors, vous voyez, voilà, je l'ouvre un petit Aïe, aïe, peu. aïe. Voilà, aïe, aïe, aïe. Et bon, il part entier comme ça, hein, l'ail, donc, hein, sans problème. À la préparation. Voilà. Donc nous avons préchauffé l'eau, enfin on est en train de faire chauffer l'eau. On va aller de l'autre côté pour placer les ingrédients dedans, en espérant que tout va rentrer. Ça D'accord. c'est ouais, Voilà. ça c'est moins sûr du Ça c'est coup, moins sûr, dit le chef. parce qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup d'eau quand même Et donc c'est dans parti. On va allumer la lumière là-haut. Tac. Voilà. Et que la fête commence. Voilà, chef. On est parfait. C'est installé. C'est installé. Donc. Alors, combien de temps là déjà pour le gâteau, chef? 10 minutes? là on Même est à pas? même pas hein. Même pas, hein? Non, Bon, on de est à temps en temps, on jette un 7 coup d'œil minutes pour hein. voir si tout va bien. 7 minutes à Voilà. peu près là. Il a l'air sympa ce gâteau. Bon, très bien. Donc là, l'eau est en train de nous faire son ébullition, hein, classique. Donc ça va venir. Hein. Ouais. Ça ira pas plus, peut-être en Un couvercle, couvrant. ouais. Bah ouais, après ça commence à faire de la fumée déjà, donc c'est pas très loin. Ouais, c'est bon là. Ouais, pour les dernières minutes, hein.
une minute, je pense que c'est bon, chef. Donc en attendant, on peut peut-être je. C'est mal fermé, si jamais, juste pour peut-être on est sûr que ça explose. Voilà, là c'est C'est pas bien comme sûr. ça, Là chef? c'est pas mal là. Bon, il y a ça, c'est l'œil de Là lynx. on tient quelque chose. L'œil de chef. Donc en attendant que ça boue, comme dirait l'autre, hein, je vais vous montrer. Donc alors la suite de tout ça, une fois que ça sera cuit. Et 20 minutes, à peu près 15 à 20 minutes, hein, donc c'est relativement rapide. Hein. On va passer tout ça là-dedans. Hein. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, non, on ne le voit pas parce qu'on est là-bas. Ouais, si, le voit, Voilà. mais en Donc léger on le creux. mettra là et on va tout mixer. Donc après, on va le passer à travers une petite passoire quand même. Exact. Et on va le remettre et on va le lancer dans une poêle. Donc on va le faire frire un peu plus. Donc et on va le faire non seulement frire, mais on va le faire réduire à feu doux. Et donc cette préparation, elle va être réduite. Ce que nous allons faire aussi dans un autre temps, en continuant, c'est on va faire donc les tortillas. Hein, chef? Ouais, exact. Alors, les tortillas, je vous montre. Voilà ce qu'on a pris. Hein. Alors, on peut la faire maison, hein, mais avec la farine de maïs, c'est un peu compliqué. Donc, vous prenez ça, c'est pas mal. Et rapport qualité-prix, pour la faire, ça va faire l'affaire. Je remonte? Oui. Ouais, tu mets ton écran pour qu'on soit sûr. Voilà. Voilà, Hein, placement de donc. produit, n'hésitez pas, Old El Paso, Hein? on est Machete, sympa. Old El Paso, vous vous souvenez? Voilà. Mais non, Donc. Nina Cyrus qui est là. Ça va Hein? ou quoi? T'es Qui? bien remis, tout va bien? Qui ça, chef? Nina Cyrus. Ah. Bon, regardez. Donc, les tortillas, c'est ça, hein? De maïs. Alors là, c'est très compliqué de trouver des tortillas, des maïs, que de maïs. Là, il y a un mélange entre la farine de blé et le maïs. Mais bon, on va faire avec ça. Donc, on va faire des chips avec ça. Je vais aller chercher la planche, chef. Vous allez les découper Yes, et les réserver. ça On va marche. les mettre de côté comme Je vais ça. essayer de faire ça. Le chef, il va nous faire ça. Ouais, parce qu'attendez, parce que là, du coup, Le chef, il va nous faire ça. c'est pas compliqué de Voilà. mettre des trucs Hop. là-bas, hein. Hein? Alors, c'est pas compliqué, chef. Vous mettez tout d'un coup et vous coupez. Et après, vous faites en deux. Et après, vous faites des triangles. Vous savez, comme les tortillas chips. Pas trop petits quand même. Hein? On les découpe avant la cuisson? Et oui, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va les découper et après on va les faire frire pour faire des chips, justement parce que la tortilla, elle est molle. Comme vous voyez, vous le montrez à la caméra, elle est molle. Donc on va les faire frire justement pour arriver à faire un truc sympa, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, chef, ou pas? Oh, Vous me comprenez un peu? j'essaie de visualiser, j'avoue Vous que. essayez de visualiser ce que je dis? Ouais, ça Bon, devient. si c'est pas clair, vous me le redites, hein, Ouais, non, je... ça passera, on va y arriver. Voilà. Donc il faut faire cuire les tortillas chips. Alors, il faut faire attention parce qu'en fait, là, pour la peine, l'huile, il ne faut pas que ça soit non plus trop chaude. Hein. Je pense que 140 degrés, c'est bien pour le faire frire. Parce qu'il faut en faire des chips qu'on va rajouter à la fin de la préparation des chilaquiles. En attendant ce jour. Ouais. Voilà. Donc, on est plutôt pas mal, la chef. Je pense qu'on est Ouais. plutôt pas mal. Ouais, 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 Ouais. ouais, ouais. Ça marche. Donc on va lancer la préparation de Ok. Ça va? Comment? Ça devra commencer? Oh. Voilà, hein? Comme des chips, c'est pas ça. On va On dire peut peut-être ça. couper plus petit si vous voulez. Non? Oh Non, c'est bon non, comme non, bah ça. non, bah quand Non, c'est même. bien. C'est des gros chips, hein? Qu'on respecte la Parce tradition. que oui, c'est des gros chips, hein? Donc c'est bien. Voilà. Là, je pense qu'au niveau de l'arbre, on est bon là. On va intervertir les récipients. Voilà, c'est parti. Je vais préparer donc une. Ah, mais tiens, on peut le mettre là pour les chips. Pour le Dommage faire que quelqu'un. sécher. Si jamais je dis pas non. J'ai pas touché haut. C'est quelqu'un de quoi m'hydrater. Par pitié. Je vous en supplie. Je vous implore. Voilà. Give me some gorge. Donc là, ici, chef, Ah, l'eau merci bien. bout. Alors, puisque l'eau bout, je mets les ingrédients. Hein. Donc, bon, je ne sais pas si c'est la peine de le montrer ou pas. En tous les cas, voilà. Donc, je vais mettre l'oignon dans l'eau On va bouillante. peut-être le montrer pour que ce soit peut-être un peu intéressant, non? C'est intéressant. Thank you. Vous me dites si je suis bon là? Ah bah appuie sur l'écran. Voilà. Donc là, vous avez la poêle qui est en train de chauffer, hein, l'huile. Là, il y a l'eau qui bout, donc là, je mets les ingrédients. Hein. Donc on met tout dedans. Hein. Tomate, hein, direct. Vous voyez, il n'y a pas vraiment. C'est un plat vraiment maison.
Voilà, l'ail, on met l'ail, les D'accord. tomates. On va faire cuire ça pendant une vingtaine de minutes, hein, tranquillement. Pascal Et. est avec nous. Ah, Bonjour salut Pascal, ça Pascal! fait plaisir. Et merci Pascal, elle a refait cette semaine, ou la semaine, le week-end dernier, elle nous a fait la recette de chili con carne, Ah, qu'elle c'est vrai? avait vue, oui, elle l'a préparée chez elle. Et merci, merci pour la confiance. Est-ce que le chili con carne est bien resté là? On a eu une photo parce que moi j'ai pas vu Et moi. ouais. On Elle m'a nous pas a montré envoyé. moi. Donc merci, merci, parce que quand on a des retours comme ça fait plaisir, on dit. Exact. Hein, ça fait plaisir, en tous les cas, Pascal, merci. Donc, chef, on est bon là, j'ai introduit tous les ingrédients Yes. dans la casserole avec l'eau bouillante et on va laisser 20 minutes. Hein. Donc voilà, d'ici 20 minutes, 15 à 20 minutes, hein, donc le Ok. temps que ça cuise, hein, Et on. que ça prenne. Et oh. Voilà. Ça flotte un peu, hein. Oui, c'est normal, c'est sec, mais après, ça va. Là, dès qu'elle va prendre l'humidité, ça va. Ça va, comment dirais-je, moi. S'imbiber et puis Coulé, ça va tomber dans l'eau. Hein. ouais. Voilà, donc là, on est en train de voir que l'huile commence à chauffer, on sent l'odeur. Hein. Enfin, vous ne le sentez pas, mais je peux vous le dire. Donc, Ouais. immédiatement, Bon, on je pense que je suis va. enrhumé un peu, mais je suis d'accord. Ça a sûrement une bonne odeur. Alors, ça, je vais vous dire, même, les amis, quand on. C'est au principe des tortillas, comme ça, quand on les achète au moll, vous pouvez les frire pour faire des chips juste quand vous voulez prendre un apéro. Si ça, c'est une bonne idée. Plutôt que de les acheter, bien que quand même, bien sûr, il y a des tortillas chips qui sont délicieuses, Comme les notamment Doritos, par les exemple. sans donner des recettes, Les sans Doritos qui sont. donner Ah, si, on donne des noms Doritos. Les Doritos. meilleures tortillas chips du monde. Voilà, ce sont des Doritos, Achetez c'est-à-dire. Doritos. Je suis même pas payé pour Voilà, dire là, on ça, prend la juste c'est température incroyable. de la Achetez des saité, putains de Doritos. 59. Doritos Nacho Cheese. Délice, incroyable. Voilà, là Ça on fait est à plaisir. 130, 140 degrés, là, Exact, l'huile pas dealer. plus. On va faire un petit C'est essai. à Chef, moi. vous pouvez me donner la tortilla chips pour voir si ça marche. On va quand même se prémunir de quoi les enlever, parce que sinon, ça peut-être, hein, très bien. Hein. L'araignée ou l'écumoire, c'est à chacun, il se Ouais, le voit comme il l'entend. la Hein, reine. on va pas chipoter sur les termes, chef. Non, hein. J'allais faire une blague, mais vraiment. Allez-y, allez-y, Non, chef, non, non, allez-y. Tout est non, permis quand on est non, fatigué. vraiment, pour Non? celle-là, Non, pas non. celle-là, elle est terrible. Mais en fait, je pense que c'était trop subtil pour les gens, en fait. Ah, ouais. Non, juste que, non, franchement, c'était pas. C'est un peu une sauce par rapport au piment, une blague par rapport au piment, tout ça, et par rapport au chipotage, mais. Flemme, hein. Flemme, C'est des grosses tortillas chips, la chef, que vous nous avez fait là. Hein? flemme. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et très bien. Aïe, aïe, aïe. Hein? Là, j'ai cru que vous étiez brûlé. Voilà, donc là vous voyez, vous faites offrir les tortillas et ça, au fait, vous êtes en train de fabriquer, mine de rien, comme ça, chips. Alors après, les idées, hein, il y a toujours des idées quand on fait les. Imaginons qu'on achète ces tortillas comme ça. Hein? On prend celles-là, on les fait frire comme je suis en train de le faire là. Ensuite, vous les mettez sur un papier. Voilà, de préférence Papier absorbant type absorbant, sopalin. voilà, type sopalin. Et Qui rigole toujours, hein, c'est pas après, du vous tout pouvez l'incommode. mettre de la poudre de piment, Aucun enfin, souci. vous pouvez mettre de ce que vous voulez comme épice. Hein. Voilà, bien comme il faut remuer et vous servez ça à l'apéro, c'est génial. Hein, chef? Bah, j'ai pas goûté donc je vais juste croire, mais Le chef n'a pas goûté, mais il va goûter à un moment donné. si je vais à un moment je vais goûter. C'est possible qu'il y ait un moment où je parte me casser. Voilà, donc c'est magnifique. Hein. C'est des belles arrières, des belles chips qu'on prépare là. Alors, évidemment, le rendu n'est pas complètement comme il aurait fallu si ça avait été seulement des tortillas à base de farine de maïs. Là, il y a un mélange des deux. Donc, bon, après, ça fait l'affaire. Hein. Attention, il ne faut pas non plus être complètement. Comment dirais-je? Comment on dit, chef, déjà, le terme, j'ai oublié. Vous savez, quand on est Ouais. puriste, voilà, c'est ça. Ah, Voilà, il ne faut pas être non plus. je l'avais pas. Moi, Mais j'accorde ce côté-là à quelques-uns seulement. Hein. ça Je marche. sais pas ce qu'il en pense, notre ami Raptor, Ouais, Raptor, qu'est-ce que t'en sur penses? J'ai pas entendu ce sur qu'il. le purisme. Ouais, dis-nous tout, Raptor, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ok. Pas très stable, ça. On en est à combien de temps, chef, par rapport à la cuisson du gâteau? Oh, je dirais qu'on en a 17 minutes. On est à 17 minutes, donc on va bientôt Ouais. passer à 150 là pour voir où il en est. Et 20 minutes de plus. Bien sûr. Au calme. Bon, ben voilà, hein, donc là vous êtes en train de voir un live, ça c'est l'avantage hein, de cette émission-là. Comment préparer des petites tortillas chips?
Vous voyez, regardez. La première, là, reste déjà un peu craquante. Vous voyez, sèche, hein, et commence à craquer. Ça marche. Voulez-vous goûter, chef, pour voir si c'est... Est-ce qu'on peut se permettre de goûter ça? Est-ce que vous pouvez vous permettre? Tout est permis, ou alors attendez un pas, peu. Non, comme moi, ça, je peux juste faire pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Je peux me sacrifier, il n'y a pas de souci. Allez-y, chef, allez-y, je vous en prie. Voilà, donc évidemment, quand on fait frire, il faut rester à côté parce que... Sinon, voilà, on dépasse un peu la cuisson, c'est pas bon. C'est plutôt bon. C'est plutôt bon, c'est sucré, chef, non? Ça, c'est la farine. Dire, c'est pas très salé. Ouais, c'est normal, ça, c'est la farine de maïs, ouais. Mais n'ayez crainte. Hein. Ouais. Hop! Aïe, attention. Hein? Y attention. Ce sera meilleur quand ce sera dans le mélange. Ça sera meilleur certainement, chef. Vous voyez, ça fait des jolis beignets là. Je pense que les gens qui vous ont vendu les piments vous ont arnaqué, ils ont l'air d'être en plastique. On dirait du plastique, ouais, parce que ça il a séché. Mais c'est moi qui l'ai fait sécher, hein. Ouais. Et oui. Parce qu'il était frais quand il est arrivé à la maison. Ce sont des amis là qui habitent, enfin, de temps en temps vont au Pays Basque, qui nous ont apporté ces piments d'Espelette. Et donc voilà, aujourd'hui on fait honneur à nos amis. Vive la basquerie. Hein? Merci bien la basquerie. Alors c'est pas mal hein, le rendu. Ça, ouais. Bon, c'est pas la tortilla chips que vous connaissez, chef, ou que vous affectionnez particulièrement, je vous l'accorde. Mais n'empêche que ça fait l'affaire. Oh, ça fait le taf. Comme je dis, ce sera meilleur dans la. Alors il faut dire aussi que. Évidemment, il y en a qui font les chips, mais ça, c'est rare. Hein, c'est les plus généralement, aujourd'hui, le Mexicain, il achète aussi les chips. Hein, parce que quand il fait ça au petit déjeuner, il va pas s'amuser en plus à préparer plein de choses comme ça. C'est chez moi ça. Donc, c'est attends. Le côté pratique. Hein. Pau, c'est pas Pays Basque, Pau. Voilà. Viens ici, toi. Voici. J'ai dit Pays Basque. Attends, qu'est-ce que je disais? C'est fou ça. Ah, ça fait exactement 20 minutes pour le 20 gâteau. Minutes, on descend immédiatement la température, chef. Exact. À 150, on va regarder quand même. On va vérifier si tout va bien. On va vérifier quand même. On va pousser un peu parce que, à mon avis, il est... Faut le sortir, ouais, attends que ça refroidisse, non? Voilà, c'est on ça. On c'est laisse dedans ou on attend que ça refroidisse? Ouais, on laisse dedans. Ah ouais? Oui. Ok. Pendant combien de temps, du coup? Et 20 minutes de plus, chef. 20 minutes de plus. Ça part, hein. Hein? Ça part. Ah, Pascal m'a dit que le chili con carne, c'était chez les parents. Et... Ah, chez les parents, très bien. Ils ont aimé, ils ont apprécié. Donc, apparemment, tout le monde s'est régalé. Ah, ben bravo, tant mieux. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, absolument. Parce que nous aussi, on s'était régalé. Ah ok, c'est Berne, sorry, mais c'est pas loin. Ouais, non, ça m'étonnait un peu, parce que je dis quand même, c'est... Qu'est-ce qui vous étonnait, chef? Non, parce qu'on parlait de la basquerie. Ah. Des basques et tout, mais... Et Raptor disait que c'était chez lui, mais moi je me disais que, enfin, Pau, c'était pas trop là-bas, quoi. Pau, c'est quand même un peu plus à l'ouest que la basquerie... Ah, à l'est, wow, que la basquerie, quoi. Ouais. Parce que c'est plus tout en bas, à gauche, quoi. À gauche, hein? Ouais, tout en bas à gauche. Bon, après, c'est pas trop loin, c'est pas pour Toulouse, c'était plus près. Mais... Bon, t'as quand même au moins une petite heure de route, non? Si tu veux aller, au moins une heure et demie, peut-être. Bon, c'est pas si bon que ça, une heure et demie. Et hop, c'est philosophique l'émission aujourd'hui. Hein. Bon, c'est pas mal, chef. Hein. Deux. Les tortillas, ils se présentent bien. Ouais? Ouais. Ils se présentent bien. Hein. Ouais. C'est... Tant mieux. C'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir. Voilà, donc ce qu'on peut faire de plus, rien de plus, chef. Parce qu'il y a le gâteau qui cuit, là, donc dans 20 minutes, on l'enlève. Il m'a l'air magnifique en tous les cas, hein? Ah ouais? Ouais. Ça fait plaisir. J'espère que ça va être aussi bon que beau. Et on le souhaite tous, honnêtement. Parce que vraiment, si c'est pas bon, je pense qu'on ne refera pas, il n'y aura pas de saison 2, en fait. Ce sera vraiment la dernière des dernières de l'émission. Voilà. Et c'est tout ce qui se passera.
quoi bon finalement? Si on rate nos recettes, ça n'a pas d'intérêt. Quoi? Quoi par rapport à quoi, Raptor? Comment? Dans 5 minutes, on va. Non, je parlais à Raptor. Ah oui, excusez-moi, chef. Pas de soucis. Parce que là, comme j'ai la haute aspirante en même temps, j'entends mal. Comment déjà, quand c'est normal, j'entends pas bien. C'est une boutade, Raptor. On va pas arrêter ça comme ça. Ouais, ah, vous voyez? Il y aura bien une saison. Et là, la cuisson, elle se fait tranquillement. Dès septembre. Là, dans 5 minutes, on va enlever tout ça. T'inquiète. Même si on rate. Tout est froidement calculé. Hein, donc. La cuisson du gâteau, la préparation des chips, la cuisson de la sauce qui va aller tout à l'heure agrémenter le plat de chilaquiles, hein, le petit déjeuner mexicain. Exact. Voilà. Voilà. T'es de bonheur, j'ai les soumis. Ouais, mec, non, t'inquiète, on est là tranquille. On fait des boutades, mais un peu trop sérieusement. Du coup, ça peut un peu croire. Hein, que... non, voilà, c'est sympa ça, hein, chef. Probablement. Je vais dire que oui, parce que je sais pas de quoi vous parlez, Commis, mais... Non, je disais que c'était sympa, ça, comme préparation. Ah, ouais. Je me régale à le faire. Ouais. Ouais, ah, oui. Tant mieux. Voilà. C'est le plus important. Hein. Puis je me régale à le faire, ça a l'air de marcher, et en plus de ça, je me régale à l'idée de savoir que ça peut donner des idées à nos amis, hein, pour épater leurs amis aussi, quand on fait des soirées, tout comme ça. Ouais. C'est pas compliqué, et puis c'est bon, quoi. Hein. Bah ouais, hein, finalement. Et puis voilà. Après, c'est bon, on verra. On n'a pas encore goûté. Après, c'est bon, on verra. C'est vrai qu'après, on est c'est, d'accord. C'est une première, donc... Comme quasiment tout ce qu'on fait, chef, hein, jusqu'à maintenant. Il y avait pas mal de plats dont c'était les premières fois qu'on les faisait, mais ouais, en vrai, il faudrait compter le nombre de plats qu'on a fait, lesquels sont, c'était des premières fois et lesquels c'était pas des premières fois. Mister Premier Degré, bah oui. Mister Premier Degré, la base. Hein. On connaît tous. Hein. C'est compliqué, mais... Mais bon, on l'aime bien quand même. On se dit que c'est pas voilà. Ça. C'est bientôt la fin. Et si éventuellement quelqu'un va distribuer quelques gorges. Commis, yes. Un peu soif ou ça va? Et si on m'a offert une gorge, moi je prends. Hein. C'est pas encore fait, mais ça peut être fait s'il y a besoin. Ah, absolument. Alors merci déjà, Fla, pour la gorge. Et une gorge pour le Commis. Yes. J'arrive tout de suite, chef. Je peux plus, mon tel veut pas. Ah merde, t'inquiète. Hein? Deux gorges pour le Commis. Hein. Deux. Ah, génial. Bah, du coup, il peut pas tout de suite parce qu'il est en train de faire les chilaquiles, mais il va arriver. Beignets, ça. Tortilla chips. Il va arriver boire ce allez, fait. J'envoie le dernier et j'arrive au bar, ma petite gorge. La caméra a frise, ça fait pas plaisir. Hein? Ah, c'est bon, elle a défrise, ça fait plaisir. Merci pour la gorge. Deux gorges. Hein. Merci beaucoup. Deux. Ah, merci oui. Pour les gorges. Las gorjas. Voilà, ça fait du bien, chef. Parce qu'à partir de maintenant, on va faire le live en espagnol, n'est-ce pas? Si, señor. Ok. Ok. Voilà, donc là, le piment d'Espelette, il résiste. Hein. Il veut pas. Il y en a un qui est mort, hein. Il est en dessous, mais par contre, ces deux-là, ils veulent pas. Bon, là, je vais arrêter la cuisson de la préparation des tomates, oignons, ail et piment, parce que on y est là. Hein. Ça, ouais, c'est bon. On y est, ouais. Donc, on va calmer ça. Hop, hein. Voilà, on arrête la cuisson. Nos restes à se faire à la poêle. Non. On finit nos dernières tortillas chips. C'est quoi le problème, mec? C'est quoi le sous-size? Explique-toi, mec. Et voilà. Comment ça, non? Il y a un bouillot check, ça? Pas de soucis. On surveille en même temps le gâteau. Ouais, le compteur est là. Hein. On est là, on survit tout ça, tout va bien se passer. Je sais pas, tu veux faire un live en espagnol? Ouais, non, mais de toute façon, honnêtement, je vais te dire, je vais pas te mentir, il y a aucun mot qui est venu. C'est pour ça que je dis ok, parce que rien, il n'y a pas un mot qui est arrivé. Alors que je connais des mots en espagnol, hein, un petit peu quand même. Mais là, comme ça, là, non, vraiment rien, c'est fou. On a fini la cuisson de tortillas, c'est prêt, donc on va les réserver. Yes. On a fini la première partie de la préparation de la sauce que nous allons donc mixer. On va préparer le robot derrière vous, chef. Ouais, éventuellement. Et on va déplacer la caméra, là j'enlève ça, et on a fini ici. Ah okay. Eh bien ok. Voilà, chef. Quel plaisir. Quel plaisir de travailler, là, de faire ça.
Ouais, c'est Voilà, maîtrisé ça. ça change les idées, ça, c'est bon. Faire à manger, toujours. Chef, je vais me déplacer avec. Ah non. Non? Non, faut pas? Il faut me prévenir avant que je puisse Ah. changer l'angle de la Ah caméra, oui, pour quoi. changer d'angle. Bon, après, vous savez, hein, Non. c'est le live. Oui, mais justement, Mais pour que ce oui. soit bien fait. Non. Si. D'accord. Si, Je vois que voilà. Si, le. pero la fajitas. Des Old del Paso. Ah ouais. Fajitas, c'est avec un J à la place du R. La Ça jota. se prononce R, mais c'est un J, Fajitas. quoi. Alors, Mais évidemment, bien il n'y a pourquoi? pas, je voulais dire, il n'y a pas de règle au niveau de la quantité. Hein. On fait autant des chips qu'on veut, tout ça. C'est pas Rien un à foutre. problème. Ouais. On va rester tranquille ici, Là, on ok? va faire juste pour la démo, chef. Oui, de toute façon. Pour la démo. J'avoue que d'ailleurs, peut-être qu'on aurait peut-être pas du tout préparé, non? Ah, ben Si c'était que là. pour la démo. Non, mais c'est pour la démo, mais en même temps, ça se garde. Hein. Ça se garde éventuellement, Bien ça sûr. peut être gardé, ça peut. Ça peut se garder. S'il y a embrouille, on s'embrouille. De toute façon, ça, y a pas de problème. Il faut que ça soit une belle assiette quand C'est. même, chef. Parce que... Éventuellement. Donc Éventuellement, voilà. éventuellement. Alors, on continue notre affaire, hein, qu'on ne voit pas d'ailleurs. Voilà à peu près, hein, mais enfin bon, c'est bon. Après vous le verrez, on le montrera autrement. Donc on enlève ça, les tomates cuites, le piment qui est déjà bien comme il faut. Alors vous mettez tout, hein. Cherchez pas, ne cherchez pas, parce que de toute façon, après on va le passer à la passoire, chef. Ouais. Hein, donc on enlèvera les graines, tout ça. Hein. Pas de souci. Merci, chef. Voilà. On approche, on approche. On essaie de mettre le moins d'eau possible dedans? Et non, on peut laisser, d'ailleurs, peut-être qu'on Peut-être va pour la voir si c'est. mixture, ça va Voilà, être. après on peut rajouter de l'eau, effectivement, au départ Parce que on ça essaye reste un de. peu sexe. Mais alors quoi que. Non, 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 c'est pas La dit, hein. tomate et tout. Ah, Non, oui. ouais, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Si vous voulez pas moins d'oignons, je mets moins d'oignons, hein, si vous voulez pas trop d'oignons. Je sais pas, c'était la recette, C'est hein. la recette, hein, On moi fera je. avec. On fait Si avec, je dois hein. mourir aujourd'hui, de toute façon. S'il faut. Non, vous n'allez pas mourir aujourd'hui. Allez. Oh. Sait-on jamais, hein. Et voilà. Tout peut arriver. Donc voilà pour le principe de la chose. Donc nous allons mixer. Alors allons-y, chef. Maintenez, voilà. C'est bien, là, ça, celui-là est bien, non? Voilà. Maintenez, Mais allons-y. ouais, ce que j'ai fait, non? C'est bon, c'est bien. C'est magnifique, hein? Alors, il y en a évidemment qui vont dire, ouais, bon, c'est une vulgaire sauce tomate. Alors, pas complètement. Parce que la sauce tomate, Y a pas de la piment bonne dedans déjà. ingrédient, vous le connaissez, parce qu'on vous a déjà donné la recette. Mais là, c'est particulièrement, voilà, là, Dis-tu, bien y a mixé, pas on dit, de. Hein? on dit encore, on Ouais. dit, à Y a mixer. pas de piment dans les. Voilà. Ah, ça se tomate, normalement. Donc, je vais préparer la poêle dans laquelle nous allons réduire, hein, cette préparation, chef. Comment? Je vais préparer la poêle dans laquelle on va Ouais, ça marche. réduire la préparation. C'est bon, chef. Ouais, Ouais, c'est bon. c'est bon? Ouais. C'est Ok. parfait, là. Donc, nous allons filtrer ça. Où est-ce que j'avais mis la passoire? J'avais pas mis quelque part, là, ici? Je crois Dans le pas, coin? hein. Non? Là-bas, peut-être, non? Dans le marbre. Ah oui. Eh oui, parce qu'au départ, je voulais la faire ici, et Ah qu'on oui. avait placé la machine. Je suis désolé. Quelle idée. Donc, voilà. Alors. Ça c'est fait, on allume l'huile et on va se déplacer encore une fois. Donc je vous préviens, chef, on va déplacer la caméra. C'est déjà changé. Oula. C'est parti, Il y a mon des kiki. relents Donc on déplace la caméra, chef. là. Ouais. Ah, wow. Je vais pas quitter le plan large quand même. Voilà Voilà. pour. Donc c'est prêt, on chauffe l'huile. Ouais. On me donne la préparation. Je pense que c'est suffisamment liquide, chef. Hein. Oui, ça a l'air.
Je pense. Hein. Ça sent le piment d'Espelette. Ah ouais, il sent fort. Ah, vous en avez mis trop, hein? Non, c'est la recette, chef, comme vous dites. Hein, faut suivre la recette. Où est-ce qu'on en est au niveau de timing par rapport au gâteau, chef? Ouais, on est bien. On est bien là? Ouais. Bon, très bien. Voilà. Donc là, comme vous voyez, on préchauffe en fond d'huile. Ouais, on voit pas d'ailleurs. Parce qu'en fait, on saufrite. Hein, on va frire cette préparation. Donc on l'a mis là. Alors, on peut pas tout mettre, hein, si vous voulez. On met juste à peine un peu. Peut-être pas tout. Juste pour, voilà, pour faire la démo. Attendez, ouais. Avant de lancer, il y a Fla qui nous dit je vais devoir y aller. Merci pour cette première saison. Fla, merci. Attendez, je vous parle. Attendez, et après vous remercier quand j'aurai fini la phrase parce que c'est une phrase longue. Donc, merci pour cette première saison haute en couleur. Félicitations. Un réel plaisir d'être avec vous le dimanche matin. Bonnes vacances au chef et au commis. GG. Merci beaucoup, Fla. Encore une fois, grand plaisir. D'avoir eu avec nous tous les jours, tous les dimanches, en première personne, toujours à nous dire bonjour. Sauf aujourd'hui, mais c'est normal, c'est parce que les nuits sont courtes et parfois c'est compliqué. Un petit mot à dire à... Ouais, Fla, merci pour ta fidélité, merci d'être là tout le temps, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. J'essaie de te suivre aussi hein, quand tu fais ton live, donc voilà, et ça fait vraiment plaisir. Tu es une bonne personne, franchement, merci de faire partie de cette petite communauté de la famille. On t'aime, vraiment on t'aime, Fla. N'hésitez pas à aller follow la chaîne de Fla sur Twitch. Il fait parfois des ouvertures de boosters Pokémon et ça fait plaisir. C'est le boss, donc n'hésitez pas. Voilà, ça gicle de partout, normal. Donc la réaction du chaud-froid avec la sauce tomate. Il fait comme ça, il fait des jeux vidéo aussi parfois, il fait un peu de musique, il fait plein de choses. Polyvalent. Merci beaucoup Fla et à la prochaine hein. Pour la cuisine du coup à septembre hein. Et d'ici là on verra d'autres choses. Comment? Voilà. C'est dangerous, c'est un peu ce que nous dit dans l'huile, ça allait exploser mais. Ça a explosé, ouais, ça a giclé. Et vous savez ce que j'ai oublié, chef, c'est de filtrer l'histoire là. Donc on va le refaire. Merde. Et oui, parce que sinon ça va pas être bon. Non, mais je vais le filtrer, je vais le remettre. Ça va bien se passer, ouais. Ah, je préfère, ouais. Non mais ça se passera bien, bien sûr. Hein? Il y a des nains qui a déjà l'huile, ça va bien se passer? Ah oui, c'est pareil. Hein. De toute façon, l'huile, c'est juste pour faire frire, donc... Ça marche. C'est pas un problème. Je préfère parce que là, sinon, on va avoir les pépins et tout ça, quoi, justement. Sur le coup de la fatigue, je suis désolé, chef. Hein. Ça arrive. Pas très grave, finalement. Hein? Tant que c'est rattrapable, y a pas d'embrouille. Voilà, comme ça. Au moins, on sera tranquille. En fait, il n'y a plus rien, il n'y a pas de pépins, il n'y a rien là. Tout a été bien mixé, hein. Ouais. Tant mieux. Alors, on voit pas la caméra si jamais. Hein. Parce que là, ça montre que la poêle. Et voilà, il est en train d'égoutter. Il a un peu filtré des trucs. Voilà, c'est mieux. Tout s'est bien passé. C'est mieux, chef. Ouais, c'est mieux. Ouais, oui. Tant mieux. Franchement, hein. Ça a enlevé des morceaux ou... Voilà, oui, ça y est. Parfait. Donc on est bon, donc là on fait frire tranquillement ça. Hein. Alors en même temps qu'on fait frire, il faut faire attention, on n'est pas trop salir, hein, parce que là, le choc thermo. Ouais, un liquide. Alors est-ce que c'est le choc thermique ou c'est juste le fait que ce soit un autre liquide que l'huile? C'est l'huile était très chaude. Et puis il y avait de l'eau surtout, non? Voilà, et. C'est surtout l'eau qui est en contact avec l'huile. Et l'eau qui était dans la sauce qui a fait que ça a fait gicler l'eau. Bon. C'est pas un accident, hein, c'est des choses qui arrivent, donc il faut le savoir. Oui. Mais voilà, chef. Alors voilà, donc là, on fait tranquillement revenir ça. On fait doux, hein. Ça va aller vite. Hein. Là, le gâteau, on en est presque là à une vingtaine de minutes. Oui, combien ça arrive bientôt. Oh, il doit rester 3 minutes. Bon. On peut vérifier si c'est cuit. Il reste 4 minutes. 4 minutes 4 minutes. Bon, mais voilà. Oui. Donc on est bon là, chef, on a fait déjà l'essentiel. Le gâteau, on va le laisser refroidir, on va profiter du beau temps. Hein. Putain, ouais. C'est un temps là particulier, là, hein, si on dit un temps automnal. Ouais, c'est bien, j'aime bien le froid. Vive le froid. Voilà, donc ça c'est fait. Il faut que l'été, pire saison. Surtout sous canicule. Donc là, qu'est-ce qui se passe du coup, Comi? Alors, voilà ce qui se passe, c'est qu'en fait, la sauce elle est un petit peu épaisse. Hein. Alors, il faut la goûter, hein. Excusez-moi, je vais le faire. Ah, El Chileno qui est là pour passer dire bonjour pour la dernière. Merci El Chileno, merci Esteban, merci Etienne. Ça on fait peut plaisir. Mettre une pincée de sel. Hein. Ça fait plaisir, est-ce que tu as passé une bonne soirée, El Chileno? El Chileno, bienvenue. Dis-moi tout, mec.
Voilà. Some to please. Everything's okay? En attendant, chef, Yes. je vous propose d'émietter un petit peu le fromage. Ouais, là maintenant, là, à Oui, vous l'ancienne. commencez à l'émietter. Ouais, je peux essayer de faire ça, ouais. Il faut avoir la planche, s'il vous La plaît. planche, Ouais, immédiatement, elle t'es est là. là. Ouais. Voilà. Voici, je vais lever Merci. la casserole avec le jus. Alors, mais je vais pas tenir. Ouais, ça va, j'ai fini le taf-tard. Ah ouais? C'était compliqué. Alors, un Je me peu suis de couché à sel pour 5h. la... Hein? Bah ouais, moi je me suis couché à 7h, je crois. 7h, levé à 9h. Et voilà, Au calme. maintenant, on va mettre les... Vous émiettez donc le fromage, chef, et après on... Oh yeah, shit, ouais. Voilà, donc je commence à ajouter, regardez, à cette préparation, les tortillas chips. Écoutez, voilà, ça craque. Voilà, donc on va les mettre là parce qu'il faut que ça vive un peu. Alors, est-ce que j'ai mis dans l'assiette qui est là? T'es chaud? Ouais, bah écoute. Ouais, hein, faut bien. Y a des choix à faire dans la Voilà. vie. J'ai fait les miens. La petite préparation. Hop, voilà. Et donc, en fait, là, vous mélangez ça. Alors, l'avantage des galettes de maïs, c'est que comme elles sont sucrées, naturellement, hein, grâce au maïs, et avec cette sauce qui est relevée un petit peu, là, donc sauce, on va simplifier en disant sauce tomate piquante, et Ouais. ça va donner un goût super. Donc là, on laisse les tortillas un peu qu'elles s'imbibent dans la sauce, chef. Donc on est plutôt pas mal, là, hein. Ouais. Ça, quel plaisir, hein. Ça fait plaisir? Ça fait plaisir. Voilà. Ok. Je sens déjà la brûlure d'ici. Hein? Je sens la brûlure d'ici déjà. La brûlure? Ouais. Ah. Est-ce que pour le gâteau, on y est là, chef? Pas encore, je pense, sinon ça aurait sonné. À mon avis, ça va pas tarder. Ça va pas tarder? Ça va Bon, pas voilà, vous tarder. voyez, donc à feu tranquille. Voilà, on mélange ces tortillas qu'on a préparées au préalable avec cette réduction donc de tomates, hein, et pimentées. Préparation mexicaine. Hein. Ça, hein. Voilà, donc le À chef, il a l'ancienne, hein. émietté un peu le. On va préparer l'assiette. J'ai essayé des mitas, hein. Hein? J'ai essayé des mités, ouais. Voilà. Ça va comme Donc, ça? ouais, très Je bien. fais pas tout, Ouais, hein. c'est Ouais. parfait, chef, parfait, pas On va se plus. laver les mains. On va se laver les mains, On va se laver les voilà. mains un peu. D'avoir ça cuit tranquillement. On va remettre le reste des fetas dans le sachet. C'est juste pour la dégustation. Hein, chef? Comment? C'est juste pour la dégustation. Oui. Bon, ça va être sympa, ça. On va découper un petit avocat, chef, pour hein, la déco. Qu'est-ce que vous en Marche. Ah, pensez? c'est le gâteau. Le gâteau. Hein? Le gâteau. Le gâteau, ça y est? Allez, c'est parti pour le gâteau. Nous allons donc tester ce gâteau-là en Yes. même temps. Vérifions ce que tout s'est bien passé. C'est important. Est-ce qu'il est cuit? Il est cuit, chef. Ok, très bien. Voilà, juste un petit aperçu là pour que vous voyez. Voilà le gâteau. Voilà, on va le laisser refroidir. Ouais. Alors attendez, parce que d'ailleurs, tout à Un l'heure petit on est là, peu mais avant de c'est le le petit démouler. fuse qui était fumé. Ah, c'est mieux là. Vous pouvez déplacer le... Le? Non, non, sinon c'est bon. Bah, il me faut l'avocat du coup. Ah non, l'avocat, voilà, et Ouais. on va, vous savez quoi? On va le couper en deux, on va lever une moitié avec la cuillère, et on va couper juste les tranches, c'est pour la Ouais. déco, hein. Ça marche. Voilà, un bel avocat. Voilà. Ok. Et dans quoi le fait, maman, pour que ça soit bien? Est-ce qu'on est bon? Non. Bon, voilà. Donc là, on a déjà la préparation magnifique, hein, chef. Ouais, c'est l'univers qui nous dit que le gâteau semble bien bon. Hein? Je trouve Le que, ouais, gâteau? le gâteau semble ok. Donc, on est plutôt pas mal. Et...
On est plutôt pas mal, chef. Yes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire là maintenant? Eh bien, je vais vous le dire. Voilà, pendant que les chilaquiles se préparent, là, ici, on va lancer une petite cuisson de... On va faire un petit œuf frit qui va aller accompagner ce plat magnifique. Ouais. Je vous dis encore, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une préparation qui s'est fait, qui se consomme généralement au Mexique au petit déjeuner. Hein. Donc, c'est vous dire, hein. Il démarre bien le matin. Hein. Ah, ils sont chauds de toute façon, Mexique. Ouais. Je pense que vraiment, le pays le plus dangereux, c'est l'Australie, et en deuxième, c'est le Mexique. Ah oui. D'accord, donc on avait dit un œuf frit pour accompagner tout ça. On va pas mettre le deux, on va mettre un, ouais, simplement un pour la présentation, oui. Jefe. Hein? Oui, un saucisson. Bravo. Quoi? Donc voilà. Ça fait plaisir. Regardez comme c'est beau ça. Non? Ouais, j'ai faim. T'as faim? J'ai faim. Je pense que le chef a faim, il va se régaler. Allez, c'est parti. On est en train de frire l'œuf. On fait partie de la friteuse. Donc c'est bon. Oula. Vous l'avez bien tranché, chef. Hein? Comment? L'avocat est bien tranché. Ouais, on verra. Hein. On verra, il était un peu mou. Hein. On verra. Il était un peu mollasson, l'avocat. Le... Ah, mais c'est pas grave, vraiment ça va donner de la douceur au plat parce que vous allez voir. Donc le plat, je vais le dresser ici, je l'apporterai là-bas pour le terminer. Ouais. Avec la crème, il y a la crème épaisse, hein. Voilà, il faut l'ouvrir pour renverser un peu. Parce qu'en fait, tout ça, le fromage qui est doux là, légèrement salé, plus la crème épaisse, ça permet d'adoucir quand même le plat qui est relativement piquant. Ça, il faut le dire. Ouais. C'est quoi un rapport, je ne veux même pas... Comment même pas... Réagir à ta provocation. Je vaux mieux que ça. Mais t'es vraiment une merde. Non, t'étais vraiment pas obligé. Vraiment, je pense que c'était évitable. À 100% du temps. Tu vois. Vraiment, tu pouvais éviter ça, mais toute la vie. Mais je t'en veux pas. Je sais commenter, quoi. Et voilà. Donc, l'œuf frit. T'arrives. Ok. Pas tout empêcher. Une petite pincée de sel dans l'œuf quand même. Ouais. Voulez-vous du poivre, chef, dans l'œuf? Comme vous voulez, hein. Est-ce que ça se fait Moi, peu importe. Hein. Peu importe. Si vous pensez que c'est bon, mettez-le. Hein. Un petit peu de poivre. C'est vous qui passez l'examen, pas moi. Hein. Oui, chef. Vous devez me surprendre. Il faut que je prenne des initiatives, chef. Il faut me surprendre, c'est tout ce qui importe. Ah, voilà. Donc, une pincée. Ok, je fais la préparation, chef, je vous l'apporte. Ouais. Alors, voici venu le temps. Des rires et des chants. Des rires et des chants. Je sais pas si on va rire avec. Hein. Comment? Je sais pas si on va rire. Non. Ça, non. Je hein. pense qu'on va plutôt. À mon avis. Ouais. Non, voilà. C'est vrai que. On arrête la cuisson. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. On dirait des pâtes. Top chef. Des cathédrales. Oh putain, il est venu le temps, d'accord. Ouais, bah bien joué. Sinon, on pense voilà, à la même, petit chilaquiles. Ça marche aussi, ouais. Le temps des cathédrales. Je vais pas essayer de chanter parce que ça va mal rendre. Hein, mais on est ensemble, hein, c'est un plaisir. Merci pour le follow. J'espère que tu vas bien. On en est où, Komi? On est où que ça y est, c'est fait. Ouais, tout se passe bien. Voilà. C'est fait. Yes. L'œuf il est fait, donc on va pouvoir déplacer. Est-ce que je laisse la caméra lancée là-bas pour. Voilà, on peut déplacer la caméra. On dévoile le. Allez-y, je peux là, c'est bon? Ouais. C'est parti. Voici. Tout ira bien. Voilà. Donc. Tout ira très bien. C'est parti, chef. Donc. L'assiette là. Alors, comment on fait là? Voilà. Alors là. On va se demander comment on va faire. Voilà pour le dressage. Ouais, quand j'ai dit qu'il était un peu mou, l'avocat c'était ça quoi. Mmh.
On va rajouter de la feta pour adoucir, de la crème fraîche pour terminer cette jolie préparation. Voilà. Après, parce qu'on veut, il y a des gens qui mettent aussi, par exemple, dans le chilaquiles, ils mettent des morceaux des poulets émiettés, choses comme ça. Hein. Ouais. Tout peut se faire. Hein. C'est plaisir. Voilà. Tac. J'ai faim, un truc de malade, bah, pareil. Le chef a faim. Surtout quand il y a l'odeur comme ça. Non, mais c'est quelqu'un qui dit ça dans le chat. On va dire que l'œuf est frit. Hein. Oui, bah, Un c'est œuf pas au fini. plat, C'est regardez-moi normal. ça. Voilà la petite préparation, chef. Yes. Donc là, le plat est dressé. Sais pas si vous le voyez. Ça me semble bien le bon jus de dressage. Ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. C'est plutôt pas mal, chef. Ouais. Voilà, donc là, vous le voyez parfaitement. Alors, c'est encore une fois les couleurs un peu mexicaines, hein, c'est un peu comme les couleurs italiennes, hein, rouge, vert, blanc. Voilà, un léger jaune alors. Donc, il y a l'œuf, il y a la crème fraîche, il y a de la feta, un peu d'avocat et évidemment les chilaquiles, hein, donc les tortillas chips avec la sauce piquante que nous allons préparer. Donc, là, chef, si vous avez faim, vous allez avoir le plaisir et l'honneur de commencer par la dégustation. Yes. Voilà, donc, si Tu tu leur nous prends le envoies une petit. petite gorgée juste après une gorge, hein, ça serait Pourquoi bien. pas? Après, hein, juste après avoir dégusté. Oui. J'aime tellement la cuisine mexicaine. Ah, la cuisine mexicaine, c'est quand même. C'est un bon délire. Hein. C'est un bon délire. J'avoue Je que vais vous apporter une je suis serviette aussi, fan de chef, ça. parce que Ouais, on va se salir là. au cas où on souffre, comme ça pas trop. Ah oui. Oh, ça se verra, je pense. Ça va être compliqué. Donc on va faire une petite photo pour la postérité avant. Alors, meilleure cuisine de rue de la Terre, le Mexique. Tiens. En vrai, ouais. Voilà, Des chef. bons tacos, là, Alors comme attendez, il faut, parce que là, je vais faire sur le une pouce, petite tac. photo pour la postérité, chef. Elle est belle? À vous de juger, hein. La musique, trop. Voilà. Cette musique qui revient, hein. C'est Donc, très bien. nous siamo presto, estamos listos. On va pouvoir déguster donc, cette belle assiette. Donc, Yes. à vous l'honneur, chef. Ouais, j'y vais, je me Allez-y, s'il vous lance. plaît. Veuillez, allez, vous avez faim, donc prenez un peu des tortillas, prenez un peu de Oui. tout. Hein. Faites-vous Si on plaisir, va juger s'il vous votre plat, plaît. quoi. On va juger au goût, On va là, parce juger que. le plat du commis. Exactement, c'est mon examen aujourd'hui. Hein. C'est Exact. mon examen, donc je veux que le Une chef goûte en feta, premier et tout un petit seul. peu Et de. qu'il donne son Comment on appelle ça? verdict devant les D'avocat. caméras. On va goûter tout ça. Oula. Ah oui. Ah oh, putain. On va y arriver. Il part pas, c'est mort. Ok. Alors, laisse goûter ça un peu de tout dedans. Vous envoyer une gorge hein, derrière. Serviette, si vous... Moi, j'attends avec impatience. Est un peu. C'est pimentés un peu. Hein. Alors, inutile de dire que c'est un plat mexicain. C'est mexicain. C'est mexicain. Voilà, déjà, le chef, il a reconnu le pays, c'est bonne chose. Oh. Ensuite, hein, il souffre. Ça picote, hein. Ça picote. Ça picote, hein. On sent bien la espelette, hein. Alors, donc, on va dire une chose, c'est qu'on Une a fait gorge un peu... pour le commis, Oui, tout merci. d'abord. On va dire aussi que... Alors, ça, c'est la préparation telle que la recette nous l'a indiqué. Alors, allons maintenant adapter le goût à l'occidental, on va dire, hein, à la française. Déjà, je vous demanderai de goûter, commis, votre plat. Mais dire ce que vous en pensez aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison que je parte tout seul au charbon, quoi. Donc il faut adapter le goût. Alors, au lieu de mettre par exemple trois piments d'Espelette, on n'en met qu'un seul pour nous les Françaises. Exact. Si vous êtes Hein? des vrais whiteys, Voilà. mettez pas Donc, trop. regardez, moi je prends C'est tenable. Ça une brûle un peu, mais petite c'est tenable. tortilla chips, là, jolie comme tout. Voilà. À ça, je vais rajouter. En vrai, c'est sur le coup. Après, ça passe. Là, Oui, j'ai mais c'est ça qui. plus. Voilà, regardez. Un petit peu d'avocat. Un poquito de huevo. Voilà, de l'œuf, de la crème et du fromage. Voilà, chef. Yes. Et j'avale tout ça? Bah, si vous en êtes capable, allez-y. Oui. C'est parti. C'est pimenté, mais bon, quand même. Ah, c'est très bon, c'est très très bon.
Effectivement, c'est pimenté. Mais c'est très bon. Je vais me regoûter pour être sûr. Comment ça? Ouais, c'est... Je revis. Ah ouais. C'est vraiment très bon. Je vous promets, personnellement, bon, peut-être que j'ai plus l'habitude que le chef, mais vous prenez juste une petite tortilla avec la crème, tout ça, bien comme il faut. Les goûts, la douceur, tout ça, du côté relevé, le petit craquant derrière légèrement de la tortilla chips. L'œuf, c'est franchement délicieux. Avec l'avocat, cette douceur, ah non, ça apporte un petit quelque chose de sympa. Et comme ça, il me voit là derrière le dos, comme ça. Ouais. Vraiment? Non? C'est ça. Voilà. Franchement, c'est délicieux. Moi, j'ai adoré. Alors, c'est vrai. C'est vrai. Oui, avec plaisir. Thibaut est avec nous. Salut Thibaut, ça fait plaisir. Salut Thibaut. Bienvenue. Content que tu sois là avec nous. Et Chileno qui nous dit j'ai tellement faim. Oui. Tu as bien raison parce que c'est bon. Et Chileno, vraiment, c'est délicieux. Et ça pique un peu au départ, mais après, c'est bon. Et le plat, il est délicieux, franchement, hein, c'est entre ce côté relevé, alors, encore une fois, on peut l'adapter, c'est-à-dire qu'au lieu d'en mettre 3, on en met 2 ou 1. Moi, franchement, les 3 comme ça, moi, ça me va, parce que je suis un peu latino, peut-être, j'ai un peu plus l'habitude de manger un peu relevé. Mais, bon, évidemment, peut-être qu'une grande assiette comme ça, pour un petit déjeuner, à mon avis, non, quoi. Surtout si je me lève à 4h30 du matin, c'est pour repartir de la journée, à mon avis, ça... Hein. Et c'est, ouais. Mais plutôt sympa. Voilà, chef, attends, qu'est-ce que vous en pensez? Une astuce pour ceux qui ne sont pas fans de l'avocat. Perso, j'aime bien ma petite dose, après ça me donne la gerbe. Ok. Une astuce, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait remplacer l'avocat? L'avocat, nous, c'est juste pour la petite. Il n'y a pas, pas d'obligation de rajouter un avocat. Si on n'aime pas ça, on ne le met pas. Même, enfin, si tu as juste la petite dose, tu n'es pas obligé de mettre un demi-avocat. Tu peux mettre un quart juste pour le goût, manger un petit morceau avec le reste. Si tu aimes les carottes, tu râpes une carotte, tu le mets à côté, c'est pour la douceur. C'est surtout pour donner. Voilà. Mais ceci étant. On va regoûter. Comme ça, c'est très bon. Ah oui, allez-y, chef, vous avez faim en plus, je pense que... Je vais goûter, voir si ça marche vraiment. Voilà, vous en prenez. Hein. Et mettez de la crème, tout ça, hein. C'est ça qui va faire la différence un peu pour que ça ne soit pas agressif. Vous prenez pour un bleu Non, non, chef, non, surtout pas. Je dois vous dire aussi quand même que le piment d'Espelette, il pique un peu, mais il parfume. Donc, c'est ça qui est intéressant de ce piment-là, c'est qu'il n'est pas agressif. Hein. Il ne mord pas comme d'autres piments. Et là, on n'a pas mis de piment mexicain, hein, des jalapeños, des choses comme ça, parce que là, je pense qu'on aurait été difficile. Quoi. Mais là, il n'y a même pas de flamme. C'est parfait. C'est vraiment bien. C'est un super plat. Chileno, vous avez dit pire que l'Indien. Je ne sais pas si pas l'Indien, vous aviez mangé vous. Là, Chileno, tu peux nous faire confiance. Ici, c'est mieux que chez n'importe qui. Et bon, c'est sûr que l'Indien... Ils mettent beaucoup d'épices. Là, il n'y a pas beaucoup d'épices. Hein. Là, c'est vraiment tomates, piments, ail, oignons. Vraiment très simple. Hein. Ouais. Tortillas de maïs. Vraiment très, très simple. Il n'y a pas de... Il y a tout qui va avec. C'est le seul truc qui est relevé, c'est le piment. Mais le piment, il est bon. Il a bon goût. Hein. Ah oui, il a bon goût. Ouais, ouais. Ah, oui, franchement. Oh, ça fait plaisir. Bon, mais super. Vraiment content. Alors... Essayez-le, vous avez vu, c'est pas compliqué. Alors non, la tortilla reste pas craquante, hein, elle est molle du coup. Non, parce qu'elle s'imbibe un peu. Oui, elle s'imbibe, elle est molle, elle reste pas craquante. C'est normal, hein. C'est pas très dérangeant. Montre une tortilla sans le... voilà, et elle craque. Mais forcément, c'est comme ça, c'est le principe du plat, c'est qu'il faut que ça ramollisse un peu. Ouais, parce qu'en fait, ça accompagne le pain. Oui, les autres sont plus dedans, donc du coup, on va regoûter pour être sûr de... Allez-y, chef, goûtez parce qu'il faut être sûr quand même du coup. Que ah ouais, il ne faut pas faire de bêtises. Il faut l'approuver. Il faut l'approuver parce que. Dire aux gens ce qu'on en pense. Mon augmentation de salaire dépend feta, de s'il la. Vous plaît. Pardon? La feta, si vous. Ah, quoi que non, c'est bon, il y en a là. C'est bon, je fais ça. Non, mais allez-y, servez-vous. Non, hein, agrémentez l'assiette comme vous le sentez. Parce que mon augmentation de salaire est un jeu. Et mon augmentation au niveau aussi grade. Hein, je pense que si le chef est content, j'ai gagné quelque chose. En tous les cas. Délicieux, vraiment, un plat à goûter. Je ne sais pas si... et à faire. Pas compliqué, vous avez vu. Tortilla chips, facile. On les achète dans le marché. Old El Paso, c'est bien. Donc, vous n'allez pas trouver 100% maïs. Donc, achetez maïs et blé. Hein, je vous le remontre, chef, pour qu'il voit. Voilà. Maïs, blé. Est-ce que vous vous régalez, chef? C'est la tortilla maïs et blé. Extra moelleuse. Voilà. Je me régale, je brûle de l'intérieur, mais je me régale. Oui, mais c'est bon. Mais vous allez, vous savez quoi? Au Chili, on dit généralement, je parle pas pour vous, hein,
Mais on dit généralement quand on a passé une nuit courte, très courte, et qu'on a eu un peu, on avait été chamboulé à cause des tisanes qu'on a bu, et manger pimenté comme ça le matin, relevé, ça remet immédiatement l'estomac et tout ça. Donc Mmh. j'espère pour vous que ça va vous remettre. Ça me remet là. Voilà. Là, je sens que ça me remet. Bon, voilà, chef, là je suis en train de torréfier les amandes de filet qui vont aller sur le gâteau. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait autre chose après là. Voilà, c'est pour déguster le C'est gâteau, si vous voulez, incroyable hein. ça. Ouais, bien sûr. Sinon, on le goûte pas et on le présente comme Si, vous si, voulez. si, 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 si c'est doux Mais en là, s'il vous plus. plaît, alors, pour les enfants, Une belle est-ce qu'on ciel. peut prendre la caméra pour montrer Montrer quoi? comment on Ouais, torréfie? ça vous fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir, chef. Merci Allez-y, beaucoup. allez-y. Alors, voilà, regardez. Voilà, là, on est en train de torréfier donc l'amande effilée, vous voyez, hein, à feu doux, dans une petite poêle qui n'accroche pas, si possible. Attention, ça va très vite, hein. Voilà, donc là vous lui donnez un petit peu de couleur, c'est juste histoire de que le goût soit relevé, hein, le goût de l'amande. Donc c'est très bon, c'est côté un peu grillé, cramé et doux de l'amande. Voilà, donc là c'est vite fait, vous voyez, hop, on sautille un peu. Voilà, c'est parfait. Et là vous avez donc les amandes, voilà, jolies. C'est pour donner de l'effet et du goût, c'est vrai que ça relève le goût, hein, de l'amande, hein, c'est délicieux. Ouais. Voilà. Ça fait plaisir, les amandes torréfiées. Écoute, Voilà, c'est fait, vous voyez, ça va très très vite, donc il faut rester à côté, il faut surveiller. Chef, on va changer de d'angle. pas laisser brûler, ouais. Voilà, c'est parti. Tenez, s'il vous plaît, on va lever l'assiette donc. Ouais. Je pense que le chef, il a plus faim. Comment? Il n'a plus faim, le chef. Comment ça? Là, vous avez faim toujours? Oui. C'est bien. Hop, merci, chef. Vous êtes bien aimable. Ouais, j'essaye. Roulette, hein. Toujours facile, mais. Alors, nous allons voir comment nous allons voir. On va aller chercher ce gâteau qui nous Le attend fameux. dehors, que vous n'avez pas encore vu de vue, Est-ce que quelqu'un vive des vue, petites gorgeasses? visuel. My Bon, pleasure. on ne sait pas ce que ça va donner. Ah, ça fait du bien que ça s'arrête la haute aspirante, chef. C'est vrai. Donc, voici venue la magnifique torta del cielo. Si. Hein, elle est tombée du ciel, Alors, tellement des elle est silos ou doux. des silos parce que. Des cielos, torta del Ok. cielo, ouais. Alors, on va la démouler et là, j'espère que ça va aller. Hein. Alors, je ne sais pas si Raptor est toujours là, s'il reste fidèle à l'émission jusqu'à la fin. Ouais, il est en train Voilà, d'écrire n'importe quoi Raptor, là. on est en train de faire ça en live, en direct. On veut que tu regardes. Et voilà, donc d'où l'intérêt. Alors évidemment, on peut ne pas mettre de la farine, juste de l'huile, mais ça aide à démouler. Ensuite, nous allons donc terminer de démouler ça dans les règles de l'art. Et on va le placer sur une Je assiette. vais arriver, hein. Voici, voilà. Vous pensez que ça va aller comme ça? Ça va décrocher. Ça va décrocher parce qu'il faut pas abîmer surtout le. Le gâteau. Ouais. Voilà. Ça va aller. Oula, attention. Ah, ça craque. Ouais. Ça risque de faire le tour, ouais, je pense. Là, je C'est un passe l'épreuve, travail. hein. Là, c'est l'épreuve complète, hein. Attendez, je vais peut-être aider, non? Il faut y aller à plusieurs, je pense. Ok. Attendez. Il faut enlever le. Ouais. Voilà. Doucement. Doucement. Ça m'a l'air plutôt sympa, hein? Voilà, on retourne. Eventually. Voilà, donc ça, hop, on réserve. Poubelle. Voici le gâteau, poubelle. Nous allons mettre un petit peu de Sucre sucre glacé. glaze. Ouais, pour le glasses d'ailleurs. Non, poudre, non? Non, Glace, glasses. glace. Ouais, glace. Glace. Voilà, histoire de lui donner. Couleur nuageuse. Voilà, c'est pour enlever les imperfections, enfin ça les cache un peu. Mais c'est surtout parce que c'est bon, quoi. Ouais, ça va, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça prend forme, chef? Ça, ouais, ça commence à faire quelque chose. Et là, je vais remettre par-dessus le sucre, ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est tout ce qu'il y avait dedans? Enfin, dessus, pour Ah le. oui, c'est juste comme ça le gâteau. Et en fait, et j'avoue que ça, ce que je suis en train de faire là, c'est une initiative personnelle, le chef, pour essayer d'avoir plus de points pour l'examen. Donc j'ai pris l'initiative de faire ça. C'est pas obligatoire, c'est Ok. facultatif. Je me suis dit que ça peut être. Alors, je l'avais dit en début d'année, moi, les amendes, c'est pas trop mon truc. Oui, c'est vrai, chef. Je vais peut-être pas compter ça comme une faute. Mais Mais vous êtes ouais. open à tout, chef.
Je vais. Et voilà. Il fait chaud là aujourd'hui, non? Il fait chaud, chef. Oui, oui, il fait chaud particulièrement. Puis le plat aide un peu. Ah, donc voilà. Ah, quelle chaleur. Ouh. Voilà, on nettoie un peu juste pour histoire de. Hein, que la présentation soit propre, sinon c'est faute aussi, chef. Exact. Ben, donc, on dirait un croissant aux amandes en forme de gâteau. C'est ça, un croissant aux amandes. Vous savez, quand on fait les croissants aux amandes, c'est généralement le croissant qui est déjà de 1 ou 2 jours. Donc il est un peu rassis. À ce moment-là, on les prépare avec une pâte d'amande farcie. Et on met des amandes effectivement effilées, avec et torréfiées légèrement, et du sucre pour lui donner un aspect sympathique. Hein, parce que voilà. Voilà, donc là vous avez le gâteau, the gâteau, que le chef va se faire un plaisir de déguster, même s'il n'aime pas l'amande. C'est juste histoire qu'il dise aussi. Va se faire un plaisir, vous vous avancez, commis. Hein? Vous êtes sûr de vous, là? Non, non, ah. Justement, mais j'essaie de conjurer le sort. Ah c'est... Je sais pas, moi on ne m'achète pas comme ça. Non, je sais, chef. Vous êtes très, très... Mais vous avez raison, hein. C'est un homme droit, exigeant, droit, mais bon, il est exigeant avec lui-même aussi. Hein. Donc c'est normal qu'il le soit avec les autres, hein, chef. On essaye. Ah, on n'a pas droit à l'erreur. Non, si on a le droit quand même. Donc on va découper une petite partie en espérant vraiment que ça va être bien, chef. Parce que sinon, là, je pense que l'examen... L'examen, quoi. Ah, petite partie, simplement, parce que vous n'aimez pas trop. Non, mais si, j'aime bien. C'était fou, hein. J'aime bien l'amande. J'aime bien l'amande, ça va, c'est cool. Voilà. Au calme. Est-ce qu'on peut la montrer? Ben voilà, c'est juste la fiche haut. Voilà. Ça y est, ça. Là. Voilà ce que ça donne comme texture. Je sais pas si. C'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez, ouais, chef? Écoutez, ça, ouais, ça a l'air d'être. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça, si je vous la passe à travers la caméra, vous la prenez? Voilà. Hein, donc voici, chef. Propre de fou. Voilà. S'il vous plaît. C'est joli. Vous pouvez la déguster. On va déplacer ça. On va goûter là. Allez-y. Ça y est, le moment de vérité. Et le moment de vérité est arrivé parce que là, j'ai passé l'épreuve du plat chaud. Je dirais pas avec brio, mais pas loin. Donc là, j'attends le. Ah, c'est. Ça, quand il regoute, c'est parce qu'il a décelé quelque chose qu'il n'a voilà, qu'il n'a pas senti. Donc il faut qu'il. Ça, c'est normal. Hein. La dégustation, ça ne fait pas une seule bouchée, heureusement. Et non, il n'a pas. Non, il y a un truc que je n'arrive pas à définir. Mm. Il n'arrive pas à définir, donc. Alors, chef. Écoutez, je reviens l'année prochaine. Bienvenue dans l'équipe. Ah, c'est un plaisir. Merci, chef. Je reviens l'année prochaine. Plaisir. Merci, merci beaucoup. C'est validé. Super. Il a validé ce super gâteau. Franchement, regardez, c'est une merveille. Voilà. Il faut que j'apprenne la technique. Voilà. Il est super bon, il est moelleux. Ah, regardez. On nous demande l'avis du commis. Alors, je vais déguster moi aussi. Il faut essayer. Alors, vous permettez que je déguste dans votre. Bien sûr. Oh, merci, chef. Waouh, waouh, waouh. Écoutez, la fourchette, regardez comme c'est moelleux, c'est magnifique. Hein. Ah, oui. C'est magnifique, vraiment. Allez, je vais goûter. La joie est immense, chef. Ah oui, j'en perds ma toque. Ma toque, ouais. Voilà. C'est délicieux. Ça me fait plaisir, ouais. Ça me fait vraiment plaisir, d'autant plus qu'il est fondant. Il fond dans la bouche. Il n'est pas sec, hein, contrairement à ce que l'on peut penser. Et je pense que ça, c'est justement parce qu'il y a des œufs et pas de farine. Mais là, il est vraiment moelleux, fondant. Il est vraiment super. Il est subtil. Vraiment, il n'y a rien d'autre à ajouter pour le manger. Hein. On le mange comme ça, avec une petite tasse de thé, ce qu'on veut. Mais il n'y a rien d'autre à ajouter. Franchement, il y a un seul truc à ajouter, c'est délicieux. C'est que c'est quand même bien sucré, quoi.
On est bien Ça, d'accord? faut ouais, c'est très sucré, mais ça Voilà. devient beaucoup le sucre. Voilà. Ça, c'est vrai que C'est quand même bien sucré. le principe un peu des pâtisseries, hein, mais c'est vrai Non. qu'il y a des pâtisseries qui sont beaucoup plus sucrées que d'autres, notamment dans les pays orientaux, par exemple. C'est vrai qu'il y a des gâteaux. Un jour, on fera des gâteaux peut-être comme ça, là, des cornes de gazelle, choses comme ça, si vous aimez ça. Et c'est vrai, c'est beaucoup plus sucré. Ils ont tendance effectivement à ajouter. C'est vrai que l'excellence de la pâtisserie française, ça n'égale nulle part. Alors on nous Hein? dit ça À part en peut France. éventuellement réduire la proportion de sucre. Ouais, je pense que ouais. J'avoue que pour moi c'est un peu trop sucré. C'est bon, hein, D'accord. faut se Alors, sentir la mangue tout ça, donc comme voilà. il fallait. Mais je trouve ça un peu sucré, un peu trop sucré à mon goût. Voilà. Voilà, malgré Alors, tout. il y a des variants, hein, comme pour la Covid. On peut effectivement ne pas mettre le sucre glace par-dessus, juste l'amande, peut-être, hein, ou même pas, hein, Mais c'est pas et le sucre goûter juste glace comme ça. Ah oui? qui est sucré. C'est vraiment le gâteau en lui-même, je trouve. Alors, c'est vrai que la proportion, c'était 200 grammes Ouais, de de sucre sucre, pour 200 grammes ouais. de poudre d'amande. Alors, peut-être, effectivement, et si on met 150 grammes, peut-être que ça va le donner un peu plus. Hein. Ah, Après, peut-être. il faut Après, trouver, hein, oui, faut faut, trouver oui, c'est l'équilibre. ça, Hein, faut ça. essayer, faut Là, on essayer, a ouais. suivi une recette qui est faite comme ça. Parce que j'ai peur des puristes qui me disent, ah, c'est pas comme ça, il faut. Donc, je fais comme on a commencé la recette. Et ensuite, et c'est vrai qu'après, on peut modifier, hein, selon les goûts de chacun. En tous les cas, voilà. Chef, je pense qu'on a rempli le contrat. On a fait ce live en moins de En moins deux de heures. 2 heures, Donc, c'est ce qui fait plutôt. plaisir. Ça fait plaisir, non seulement au chef, qui est particulièrement. Il a beaucoup donné de lui. Mais même pour vous, ça vous permet de vous libérer plus tôt, de pouvoir préparer des repas. Imaginez déjà ces chilaquiles mexicains qui est une reine merveille, franchement. Manger un petit peu relevé et puis adoucir tout ça avec un super gâteau, là, donc torta de cielo, ou une génoise sans farine, même si notre ami Raptor, il chipote sur la poudre de farine. Et c'est vraiment super, super bon. Donc moi, en plus, je viens d'être reçu dans l'équipe. Là, c'est tout bénef. C'est vrai. Voilà, J'avoue chef. que j'ai préféré le plat salé quand même. J'ai préféré les chilaquiles. À mon goût, c'est mieux. Je préfère déjà le salé que le sucré de base. Donc, du coup, forcément, je préfère l'autre. Tout à fait. Le côté piquant, ça brûle, mais c'est bon. C'est plaisir. Après, le gâteau est bon aussi. Ouais. Comme je disais, pour moi, un peu trop sucré. Mais goûteux, malgré tout. On sent bien l'amande. C'est ça qui est bon. C'est ça qu'il faut, parce que c'est un gâteau à l'amande, finalement. Tout à fait. S'il n'y a pas goût d'amande, c'est un truc qui va pas, quoi. Voilà. Donc à ce niveau-là, effectivement. Alors après, comme je disais, hein, après on peut. Voilà. Là, vous avez le principe de base de la recette. À vous de jouer si vous aimez plus ou moins sucré ou pas, quoi. Donc mettre moins de sucre. Voilà. Il n'y a pas de règles. C'est à chacun ses goûts, heureusement. Et il y a pour tous les goûts. Exactement. Voilà. Et ça fait plaisir dans tous Ça les cas. fait plaisir. Voilà. Et sur cette bonne note, j'aimerais décerner son diplôme au commis, finalement, qui était diplômé de son CAP cuisine. Et donc voilà, Ah, mais qui a merci, réussi ça me son touche, chef, année. vraiment. Ça fait. Hein? Et ça, c'est une surprise, je ne savais Voilà, pas. donc ça fait plutôt plaisir, quoi. Alors, vu le procès-verbal de l'examen établi le 27 juillet 2021, J'ai mi-juillet, oui, je suis un juin, connard, mais voilà, c'était juin, hein. par le président de jury examinateur ayant autorisé sur les diplômes en ligne, le diplôme du CAP cuisine du site Ouais. est confié au Conféré. commis. Conféré. Et conféré au commis Exact. pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. Vraiment, Voilà. merci, merci Donc, beaucoup. ouais, j'ai mi-juillet, mais évidemment, c'était C'est, juin, hein. voilà. On va pas. On va rater les bêtises un petit peu, Voilà, je mais. suis vraiment touché. Merci. Je peux vous embrasser, chef? Oh bon, bah, Vous faire la bise quand on va même. peut-être. C'est tellement Non, parce formel. que Covid, on peut pas faire Non. malheureusement Ah oui, mais nous, les bises. on se connaît quand même, en tout cas. Check Merci à moi beaucoup, ça, vraiment. la rafale! La Mais voilà, rafale! donc Merci bien merci, merci beaucoup, je Raptor suis pour l'abonnement content. offert. Ça fait Ouais. plaisir. Ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir. Merci chef pour la reconnaissance. Donc ben, je serai là. Alors du coup je reviens pour la Pour rentrée en septembre, la hein, rentrée, en forme je avec pense que. plein de bonnes idées, plein de choses nouvelles. En tous les cas, on va penser à vous cet été, vraiment, parce que voilà, ça nous fait plaisir de continuer à vous faire plaisir, vraiment, vraiment. La cuisine de père et fils, ben, elle est toujours là, elle sera toujours là. Voilà, chef, en ce qui me concerne, merci encore, merci vraiment beaucoup pour être présent, pour partager ces moments de joie, vraiment, d'émotion, et ces moments de plaisir pour le palais avec nous. Merci beaucoup. Exact. Exact. Voilà, merci à tous. Ça a été quand même 17 épisodes
riche en émotions et en gustativité. Oui. Ça a été parfois des ratés. Oui, c'est l'expérience, c'est bien. Ça arrive, on se rappelle notamment du dessert japonais, qui était notre plus gros raté, lequel je déjà? pense. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Non, c'est ouais. Voilà, donc c'était vraiment le plus gros raté de cette saison. Mais la revanche, On peut dire. elle reviendra. On la et prendra là, peut-être. on a Non, enfin, promis de le peut-être. faire live, on le fera. Ce dessert-là, il faut le réussir. Il faut le réussir, aucune raison. Et en saveur, oui, en saveur aussi, bien sûr. Bien Riche sûr. en saveur. Il y a eu un peu de tout, hein. On a exploré un peu le monde. Hein, Oui. ce qu'on va continuer à faire d'ailleurs la prochaine saison. Hein, on va continuer à explorer un peu des pays qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, dont la cuisine qu'on connaît peu surtout. Et parce que c'est bon quand même de manger. Ça permet de vivre déjà, c'est pas mal, ça Oui. aussi. Même quand on se sent mort, on peut rester en vie. Ça, c'est important de le reconnaître. Vous pouvez juste manger des pâtes aussi parfois, c'est bon les pâtes. Hein. Mais Oui. essayez d'élaborer parfois. Comme moi j'ai fait dans cette émission, puisque je ne savais rien faire d'autre que des pâtes, Et quand oui, et que j'ai finalement appris à faire d'autres c'est choses. le gratin. Vous avez fait la chef des pâtes, comment ça s'appelle? Oui, mais c'est des Ah pâtes. ouais. Oui, mais C'est des quand pâtes même, avec oui, mais gratinées, quoi, mais il c'est y a une juste. façon de préparer les pâtes, de Ouais, faire les voilà, oui, pâtes mais c'est ce que aussi. je dis, mais c'est tout ce Donc que je tout savais est faire. C'est ce que je dis, absolument. du Non, coup. mais là Maintenant, aujourd'hui, je vous fais êtes d'autres choses. le chef, il est prêt pour voilà, pour se nourrir, Non, je continuerai à s'auto-nourrir, faire des hein? pâtes, je Des pense. pâtes, Malgré voilà. tout. Et Parce donc les que petites choses c'est plus comme simple. ça, de temps en temps, on la fera Oui, pour. on le fera en émission de toute façon. Ouais. Voilà, merci à tous Ouais. pour nous avoir suivis Ouais. ces 17 épisodes. Merci à tous. Bon, Ouais. Fla qui n'est plus là, mais remerciement à Ouais. Fla, merci Ouais. Souris Verte, merci Raptor, hein, encore une fois. Ouais. Merci à tous ceux qui sont allés, Raptor, Chileno, merci. bien Ouais. sûr, Souris Thibaut, verte. bien sûr tout le monde, Chileno, tous les gens qui sont Thibaut. là. Ouais. Je pense à Cebu aussi, bon, qui ne doit pas être Oui. là actuellement, mais Pascal. Pascal qui nous a suivis aussi. Voilà, tout le monde, Absolument. merci beaucoup. C'était fort amusant. Puis Super. On s'est régalé. oui, et Vraiment. on reviendra du coup en septembre. Voilà. Bonne J'ai pas ambiance, la bon date en, enfant. j'ai pas la Voilà. date encore, mais j'annoncerai ça. Donc retour en septembre pour la saison 2. Et puis voilà. D'ici là, passez de bonnes vacances, Ouais, bah, reposez-vous bien bien, sûr, amusez-vous portez-vous bien. bien, faites attention à vous, Je vais essayer hein. de streamer un peu plus de jeux vidéo parce que de base c'était ça quand même, ma chaîne Twitch. Je ferai d'autres streams cet été, tout ça, hein, pas de, voilà, mais pour la cuisine, ça s'arrête là pour l'instant. Et voilà, on reviendra plus fort, Nous allons comme mettre Fort Boyard. les fourneaux en veilleuse Ouais, et on les exactement. remettra à chauffer à partir de la rentrée, On va préparer tout ce qu'il faut, on va faire ça bien. On va essayer du moins, parce que Oui. bon, on va pas se vanter non plus, parce qu'on sait pas encore ce que ça fera, mais on va essayer de faire ça bien. Ouais. Voilà, merci à tous. Merci. Bon dimanche, Oui. bonnes vacances, et puis à la saison prochaine. Au revoir, on vous aime. Beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et Portez-vous bonne bien. journée à tous. Faites Et gaffe. mangez, mangez, c'est bon. Mangez surtout, mangez, Mangez, dégustez, ça fait plaisir. préparez et amusez-vous bien. À Au plus. revoir. C'est pas comme ça que j'imaginais ma vie enfermée sous camisole. J'ai voulu m'envoler des bastos, m'en planter au sol. En fait, c'est peut-être que je le mérite, qui sait. J'ai plus de mal que de bien, tu sais. J'essaie de me racheter, ouais. J'ai essayé de guérir des blessures, tu sais. Fermer la plaie, mais soudainement, mes vieux démons m'ont chanté mon passé. Ce qui est derrière revient devant, te guette tout le temps. Pas comme l'amour d'un être ou autre qui passe en coup de vent. Combien de fois pour ce putain de peurage, j'ai failli partir en couille. J'ai pris le mic, pour lui, j'aurais sûrement balancé des douilles. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? J'ai trop tri pour en arriver là et repartir. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer. Des blocs de fort me dégoûtent. Des bâtards violent des mômes, des petits gosses nuit et jour. Et ça me fait mal, j'en ai marre. Parce qu'on conserve le silence. Les laissant recommencer de plus en plus, voler l'avenir de nos enfants. Me parle pas de justice, tuer père et mère sans scrupule. Je préfère les voir crever que rester vivant dans une cellule. Combien de fois des femmes envers moi se sont confessées? Combien de fois j'ai essuyé sur leurs joues les larmes tombées? Et c'est horrible quand on voit comment tout ça se finit. Une veine tranchée par une môme de 15 ans en panique. Ce monde est crade, mec. Beaucoup plus de mauvais que de kiff. Ça perd le goût de vivre quand ce sont des peines qui nous unissent.
C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer. C'est ma confession, ce que tu n'entendras pas ailleurs. On souffre tous de quelque chose que chaque jour nous écœure. J'ai beau te parler de tout ça, conscient que ça te touchera, que tu te reconnaîtras, mais qu'à travers ça rien ne changera. Parce que l'humain est trop con, se voit toujours la face. Je comprends pas, je me noie dans ces pensées qui me font boire la tasse. J'ai besoin de me confesser, trop de péchés qui viennent me secouer, ouais. J'ai pas oublié en me mettant à teaser. Sous ma carapace comme certains, j'ai trop de choses qui me rendent malade. Combien d'années m'as-tu vu sans un sourire, même pas une larme. À l'intérieur je suis mort, dans le cœur je suis KO. J'essaie de me battre, de mettre tout ce que j'aime bien haut. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer.